Bonsoir à la maison et bienvenue à notre grande soirée de retrouvailles où plus que jamais, les gens qui sont venus de Vancouver, du Nouveau-Brunswick, dans l'espoir de retrouver. Alors évidemment, on compte sur vous. La consigne est toujours la même. Vous n'utilisez nos links pour nous donner de l'information sur les gens qu'on recherche et non pas pour nous dire que vous-même, vous êtes à la recherche de quelqu'un. Et pour vous prouver comment est-ce que vous êtes efficace, on m'a appris juste avant de commencer, il y a des gens qui ont fait des promos avant l'émission. Hein? Il y en a quelques-uns, là. Et écoute, le téléphone a marché tout de suite. Alors, il y a quelqu'un qui a fait sa promo à 15h40. C'est toi, mon ami Yannick. T'as dit que tu recherchais ton père. Et il y a quelqu'un qui a entendu ton message, qui a appelé ton père. Il est à Québec, il est au bout du fil et il t'écoute. Salut Yannick. Salut, ça va? Oui. Hein, ça fait drôle, hein? Oui. T'es à Québec? Je suis dans Beauce. Dans Beauce? Oui. Hein, c'est génial. Oui. C'est toi qui as entendu l'annonce ou... Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je suis vraiment content de t'entendre. Moi aussi. Puis ça fait longtemps que j'ai le goût de te parler aussi. Oui. Ça fait combien de temps, Guy, que vous ne vous êtes pas vu? 24 ans. Oui. Aïe, 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 aïe. Vous voyez votre fils à l'écran? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Un coup de masse. Ah, mais je suis content, très content, sérieusement, de pouvoir te parler, puis j'espère même de pouvoir te voir aussi, si c'est possible. Ah, moi aussi, j'espère. Alors, Guy, vous allez laisser vos coordonnées, vous faites un homme heureux, c'est extraordinaire de commencer une émission comme ça. On est content pour toi, mon beau Yannick. Ben, ça valait la peine de te déplacer. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, Guy. Alors, Guy, un dernier regard à votre beau garçon, là. Oui. Et puis, vous laissez vos coordonnées, puis il vous rappelle tout de suite après l'émission. Merci. À plus tard. Ah, superbe! Hey! Merci, les Colombos. Ça part bien, ça. Ça m'aime, évidemment, ça te donne espoir. Ah, hein? Oui, oui, toi, oui. Toi, tu es à la recherche de... Moi, je suis à la recherche de mon père, Michel Bédard. À la naissance, il s'appelait Félix. Il est né le 14 septembre 1939. Est-ce que tu as des souvenirs de lui? Oui, j'ai des souvenirs de lui, des gros souvenirs. Il avait 4 ans quand j'avais 4 ans quand il est parti, puis je m'en rappelle tous les petits détails, tout ça. Je me rappelle de tout ça. Je l'appelais Daddy, c'était mon Daddy. Oui. Alors, si Daddy t'entend ce soir-là, il y a Samantha qui l'espère. Oui, j'aimerais bien ça. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Vous, à la recherche de... De ma mère naturelle. Je suis né en 1955 et je sais que je suis né à l'hôpital de la Miséricorde de Montréal et que ma mère, elle avait 20 ans et qu'elle travaillait dans une usine de stylos. Et moi, je sais que c'est votre jour. Oui, c'est ça. Je me dis qu'une maman ne peut pas avoir oublié ça. Certainement pas. Un petit bébé du mois de mars. De mars. Et je sais aussi qu'à l'âge de 10 mois, elle est retournée à l'orphelinat pour avoir de mes nouvelles, ou en tout cas. Donc, si elle vous entend ce soir, qu'est-ce que vous avez le goût de lui dire? Bien, j'ai le goût qu'elle me voit, j'ai le goût qu'elle me connaisse, puis qu'elle voit que son gars est devenu quelqu'un. Bonne chance. Merci. Vous, vous êtes à la recherche de votre fille. Vous nous avez écrit, vous avez été patiente, parce que vous avez écrit en 2002. Oui. Vous avez attendu longtemps avant que votre lettre soit choisie. Puis, dans votre lettre, vous parlez d'une petite fille, une petite Isabelle, qui était prématurée, qui pesait 3 livres quand elle est née. Et j'ai déjà raconté qu'on avait plus de 10 000 lettres de courriels et tout. Et à un moment donné, il y a un autre courriel qui a rencontré le vôtre. Et c'était une petite Isabelle qui racontait qu'elle était prématurée et qu'elle pesait 3 livres et quelques à la naissance. Et ce soir-là, elle est venue de Gatineau pour vous retrouver. Nous vous en applaudissons pas à part, nous vous en applaudissons. Évidemment,
Évidemment, quand on voit ça, on se dit qu'on voudrait qu'il nous en arrive autant. C'est possible. Oui, tout à fait. Alors, je suis à la recherche de mon fils, Thierry Plante-Joannette, venu au monde le 5 juillet 1980 à l'hôpital Fleury de Montréal. Sa mère s'appelle Ginette et il a vécu dans le Grand Montréal à sa jeunesse et surtout à Mont-Laurier. Et vous avez vécu avec lui pendant un moment? Jusqu'à l'âge de 3 ans. Pourquoi vouloir le retrouver maintenant? Disons que maintenant, j'ai refait ma vie. J'ai de nouveau des jeunes enfants avec moi, Xavier et Alexis, qui me prouvent que finalement, toute cette énergie-là est bien importante, puis qu'eux aussi ont contribué également à la démarche que je fais aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance pour retrouver votre fils. Oui, ma belle, à la recherche de ton père. À la recherche de mon père, Mario M., il a reconnu ma mère, Diane Boulanger, fin 75, début 76. Oui, puis c'était assez sympathique quand tu parles aventure à Old Archer. Oui, il paraîtrait qu'ils auraient été à Old Archer ensemble et, en main comme information. Oui. Et puis tu sais que nos Colombos sont efficaces? Oui. Alors, tu vas avoir une belle surprise ce soir. On a de la place pour lui dans notre vie. Tu as de la place pour lui? Oui. Tu vas pouvoir lui dire ça en direct, ma chère. Ton papa est ici. Quand je l'ai su, là, suite, j'ai appelé. J'entends autour de moi, c'est beau, c'est frissonnant. C'est grâce à vous et à votre collaboration. Ben oui, oui, c'est vous, celui-ci. Oui, c'est moi. Et vous, vous êtes à la recherche de gens qui sont précieux aussi? Oui, je recherche beaucoup de monde. Je recherche ma mère, mes 4 sœurs et mon frère. Mon père étant décédé, parce que moi, j'étais bébé. C'est la raison de mon adoption. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information? Mon père, c'est Albert Poulin. Ma mère, Mon père, Albert Poulin. Ma mère... Non, c'est le contraire. Madeleine Paquette, c'est Albert Poulin. Hein? Donc, les enfants d'Albert Poulin. Et Madeleine Paquette de Tetvermine. J'ai une sœur qui s'appelle Ginette. Et j'ai mon frère Marc, mon beau Marc d'amour, que j'ai connu dans les années 80. On dansait ensemble, on faisait des danse-tons passionnés de musique. Et vous me disiez avant l'émission que vous voudriez que tout ce monde-là sache que, bon, vous n'avez pas vraiment voulu les mettre de côté. À un moment donné, vous avez pris un peu de distance. J'étais pas prête à cette époque-là. J'étais trop jeune. Et puis, si vous entendez ce soir, là, qu'est-ce que vous voulez garder? Si vous me manquez énormément, j'ai besoin de vous pour pouvoir poursuivre ma vie. Il manque un très, très gros morceau parce que je ne connais pas le début de ma vie, de mon histoire. Et je veux savoir c'est quoi le « Il était une fois » de ma vie. On vous souhaite de belles retrouvailles. Bonne chance Merci à vous. Merci beaucoup. Ici, madame, vous êtes venue de l'Abitibi pour retrouver votre fils aîné, votre plus vieux qui est né. Le 22 d'août 1949. Oui. Et vos deux fils vous appuient. Vous avez 5 garçons à part ce fils-là? 5 garçons à part que celui-là. Oui. Je m'en fais 6. Oui, parce qu'il a toujours compté dans votre cœur. Ah oui, il n'a jamais sorti. Et vous autres, ça a été une surprise. Vous l'avez appris il n'y a pas très longtemps. Hein? Oui, l'année passée. Mm-hmm. Un petit peu plus qu'un an. Et vous avez l'impression qu'à un moment donné, il avait communiqué avec vous, il a cherché à avoir de l'information? Oui, c'est ça qui décevait un peu de ne pas l'avoir su avant, parce qu'il a même téléphoné chez nous, fait de la recherche, mais à l'époque, on n'était pas au courant. Fait qu'on a bloqué cela en disant, bien, je pensais que je n'avais pas de faire. Puis par la suite, quand j'ai appris, bien là, la déception de savoir qu'il a déjà fait des recherches, puis... Alors, s'il est à l'écoute ce soir, il y a au moins 2 frères et une nièce et la maman, qui sont ici, qui sont venus de l'Abitibi dans l'espoir de le retrouver. Oui. Puis il y en a d'autres qui l'attendent à la maison. Oui, ce serait important de spécifier qu'il a été adopté à Québec le 17 juillet 1950. Merci de l'information. Bonne chance à vous autres. À la recherche de votre mère. La recherche de ma mère biologique. Oui. Je suis née le 16 janvier 1956 à la Miséricorde de Montréal. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait 30 ans à l'époque.
Je sais que mon grand-père est policier, qu'elle a 16 frères et sœurs. Oui, aïe, aïe. Grosse famille. Ben oui. Et vous aviez une belle lettre. Vous avez ajouté à votre petit mot que vous envoyez pour l'équipe une belle lettre à l'intention de votre mère en disant « Je n'ai jamais connu la chaleur de ton sein. Je n'ai jamais entendu ta voix me chanter une berceuse. Je n'ai jamais senti ton odeur, mais maman, je t'aime. » Alors, il y a de l'amour en réserve pour cette dame-là. Bien sûr. Hein? Oui. On vous beaucoup. Souhaite bonne chance. Merci. Oui. Alors, Anouk et Yann. Oui. À la recherche de votre maman. Et vous autres, il y a quelque chose qui nous a intrigués dans votre histoire parce que vous marquez dans votre lettre, bon, on cherche notre mère, nos noms à la naissance, oui, étaient Raymonde et Roger. Oui, c'est étrange, maintenant ils s'appellent Anouk et Yann. Et on a cherché, et on a cherché, et on a trouvé pourquoi. Parce que vos grands-pères, votre grand-mère maternelle s'appellent Raymonde et Roger. Et... ils sont ici ce soir pour vous. Ils sont aussi vos parents. Ils sont ici pour vous. Raymonde et Roger. Je sais que Roger a gardé sa petite fille pendant presque un an. J'ai parlé avec lui et avec Raymond avant l'émission. C'était évidemment un grand bonheur. Et oh, regardez-moi ça, ces belles images-là. C'est extra... Oh, grand-papa est content. Puis grand-maman aussi, puis Anouk est heureuse. Mais ma belle Anouk, évidemment, votre demande initiale à toi et à ton frère... c'était de retrouver la maman. Là, vous êtes comblés avec grand-maman et grand-papa. Mais maman est ici pour vous autres aussi. On va lui demander d'entrer. Une chose en amène toujours une autre. Le nouveau KY Touch Massage 2 en un tingling. KY. Nissan. Altima 3.5 SE. V6 de 270 chevaux. Clé intelligente. Choix de financement et de terme à l'achat. Couleur. Vous avez un sens pour les bonnes affaires? À vous de choisir votre Nissan, votre terme et votre financement à l'achat ou à la location sur nos modèles les plus courus, comme les nouvelles Sentra, Altima et Versa. Couleur... poudre argentée! Mais, me semble que c'est évident. Voici le laboratoire Scrubbing Bubbles, où les scrubbing biologistes ont développé une nouvelle brosse Fresher Max à tampons à grande puissance. La poignée réutilisable est reliée à des tampons jetables imprégnés de puissants nettoyants. La science de Scrubbing Bubbles, grâce à son tampon abrasif, enlève les taches tenaces. Le calcaire, la rouille et bien plus encore. Dites adieu aux taches tenaces. La nouvelle brosse Fresher Max de Scrubbing Bubbles. Nous travaillons fort pour vous. Le Coco de Pâques que tous désirent est l'aventure qui fait danser. On peut dire qu'il tombe vraiment à pic. Le meilleur film d'animation de l'année. Tu sais pourquoi? Parce que on a du charme. Les petits pieds du bonheur. J'ai de l'avant. Achetez le bonheur en DVD pour Pâques. Andy Sherbrooke et Andy Granby vont de l'avant avec l'événement du Grand Virage Bleu. Obtenez un financement à 0% sur la Santa Fe. Ou encore louer la Santa Fe GL 5 vitesses à partir de 279 $ par mois. Andy Granby, 1196 rue principale. Andy Sherbrooke, 4320 Boulevard Bourque.
même avec tous les mignons petits ensembles qu'elle a pour se traîner par terre. Elle préfère de loin être nue comme un ver. C'est pourquoi Huggies a conçu les nouvelles couches Natural Fit. Contrairement aux Pampers Cruisers, les couches Huggies sont les seules à offrir Hug Flex. Avec leur nouvelle coupe profilée, elles s'ajustent à bébé et lui procurent une sensation naturelle. Grâce à cette petite chose, elle en oublie sa couche pour s'amuser avec vous. Tout est dans les petites choses. Huggies Natural Fit. 10-10-710, c'est facile à composer et c'est facile d'économiser. Pour 99 cents par appel, vous pouvez parler jusqu'à 60 minutes partout au Canada et aux États-Unis. C'est simple. Pas de frais mensuels, pas d'abonnement, pas de contrat, et ce, en tout temps. C'est facile. Composez le 10-10-710 suivi du 1, du code régional et du numéro. Vos appels seront facturés sur votre compte de téléphone local. 10-10-710. Facile à se rappeler, facile d'économiser. Ce printemps, on va se créer un tout nouveau look avec une allure décontractée. Ou pourquoi pas un style plus urbain. Ou même un feeling plus week-end. Il me semble que j'ajouterais un petit test mode. On aime ça, ce genre de test-là, nous autres, les filles. Il manque quelque chose. Un concours. Oui, un concours avec une garde-robe printemps à gagner. Pour participer, repérez l'indice à TVA tous les soirs entre 20h et 21h et composez le numéro à l'écran. L'aubainerie, une chance que je t'ai. Hyundai Sherbrooke et Hyundai Granby vont de l'avant avec l'événement Le Grand Virage Bleu. Obtenez un financement à 0% sur la Santa Fe. Ou encore louer la Santa Fe GL 5 vitesses à partir de 279 $ par mois. Hyundai Granby, 1196 rue principale. Hyundai Sherbrooke, 4320 boulevard Bourque. Je suis le caporal-chef Jocelyn Labelle, policier militaire. Je recherche mon frère d'armes Dwayne Connors, avec lequel j'ai servi en ex-Yougoslavie de 93 à 94. Dwayne, tu sais ce qu'on a vécu là-bas? Tu te souviens à quel point notre groupe était toute une famille? Puis des familles comme ça, jamais on va en retrouver à part que d'un force. Dwayne, si t'entends mon message, s'il vous plaît, donne-moi tes nouvelles, parce que ton absence, c'est un Moses de Grandville. Je suis Gilles Bourget. Je recherche Raymond Busque, compagnon de classe et de pensionnat, à l'école normale Noé-Ponton de Sherbrooke. Raymond, te souviens-tu, tout était prétexte pour pratiquer de nombreux sports, jouer aux cartes et échanger sur différents sujets d'actualité et sur des sujets plus personnels, te les fais. Malheureusement, dans notre milieu, il y avait beaucoup de prétendants et peu de candidats. Nous étions des inséparables au même titre que Laurel et Hardy. Raymond, je veux te dire que je te recherche depuis le début de ma retraite dans l'espoir de raviver cette amitié si intense. Je m'appelle Natacha, j'ai 18 ans et je viens de Villemort à Montréal. Je recherche ma meilleure amie, Yana Selezneva, que j'ai perdue lorsque sa citoyenneté canadienne lui a été refusée. Cher ange perdu, depuis que t'es partie, c'est comme si t'avais emporté avec toi une partie de moi. Je t'en prie, Yana, fais-moi signe. De retrouver cet ami qui est précieux. De grâce, n'engorgez pas les lignes. Vous ne nous appelez que si vous avez des informations à donner sur les gens qu'on recherche et non pas pour nous dire que vous faites vous-même une recherche. Il y aura d'autres occasions où on pourra vous aider. Vous, vous êtes à la recherche de... De ma mère, qui est Gina Desrosiers. Je suis un petit peu nerveuse, je m'excuse. Je la recherche parce que, premièrement, moi, j'ai 5 enfants. Puis pour moi... D'être mère, ça m'a toujours manqué. J'ai toujours eu un vide en dedans de moi. J'aimerais la retrouver, au moins une fois la voir, pour la prendre dans mes bras. J'ai un vide. Alors, son nom, c'est Gina Desrosiers. Elle aurait dans la soixantaine. Mon père s'appelle Jacques Groslot. Elle a eu un autre enfant qui est mon frère, qui s'appelle Patrick, que j'ai vu une seule fois. Et sa date de naissance est le 17 novembre 64. Alors, si elle m'entend, j'aimerais qu'elle me donne le privilège au moins une fois de la voir. Et c'est une maman, c'est votre fille qui vous parle, mais c'est une maman qui sait ce que c'est oui. aussi. Oui. Aimer des enfants. Vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, vous êtes à la recherche de notre nièce, qui est née le 29 mai 71. Elle s'appelait Sophie Lepage, son nom fictif. Son père, Denis Lapierre. Il travaillait comme mécanicien dans un village près de la Beauce.
Sa mère, elle travaillait dans une boutique de linge, tout près de la Beauce aussi, puis elle a fini sa grossesse à Longueuil. Puis l'enfant il est venu au monde à l'hôpital de Saint-Charles-le-Moine à Longueuil. Mm-hmm. Si cette nièce-là vous entend ce soir, c'est toute une famille qui l'attend. Oui, c'est toute une famille, une grande famille, parce qu'il y a 50 personnes. On est maintenant rendu 50 personnes dans la famille. Ça fait tellement longtemps qu'on la recherche. J'espère que s'il y a quelqu'un ou si tu nous écoutes, que tu nous donnes au moins signe de oui, toi. Il y a sa belle grand-maman Lucille qui est ici derrière. On va vous demander de vous lever, Lucille. Grand et rempli d'amour. Bon, je l'attends et je l'aime. On vous le souhaite, merci. Lucille. Alors, une belle grand-maman qui t'attend. Oui, moi qui suis à la recherche de mon père biologique, Jean-Paul Blais. Et il aurait les cheveux bruns et les yeux bruns. Il aurait demandé de mes nouvelles il y a une couple d'années par les retrouvailles que j'ai essayé de rechercher par moi-même. Mm-hmm. Et à la recherche de ma mère, Doris Ouellette, qui avait 20 ans à ma naissance. Alors, Doris, là, elle a su que tu la recherchais. Et pour toi, elle est ici ce soir. Colombo, grâce aux informations que vous nous donnez. Et Pierre va espérer avoir un coup de main de votre part aussi. C'est énervant. Oui, hein? Oui. Et on souhaite que ça nous arrive quand on voit ça. Oui, oui, toujours. Vous aussi, vous cherchez votre mère? Je cherche mes parents biologiques. Je suis né le 1er février 1953 à l'Hôpital de la Miséricorde de Québec sous le nom fictif de Joseph Honoré Adam. Et puis, ma mère avait 17 ans, d'une famille de 9 enfants. Mon père avait 20 ans, d'une famille de 15 enfants. Fait que j'espère qu'il y a quelqu'un à l'écoute. Puis j'aimerais que ma mère soit là, puis qu'elle m'appelle, ou mon père. Ah oui, puis vous aviez une belle lettre pour votre mère en disant, je voudrais lui enlever... La souffrance, de la peine d'avoir été probablement obligée de m'abandonner, et puis à cause de l'époque, puis tout ça, du contexte. Oui. Puis vous avez dit aussi que vous regardiez souvent les retrouvailles en espérant qu'elle soit là. Oui. On va vous le souhaiter de retrouver ce soir. Merci. Oui, Michel, à la recherche de... De ma mère biologique. Puis aussi, j'ai appris dernièrement que j'avais une sœur jumelle. J'aimerais bien sûr la rencontrer, la voir, parce que pour le temps qui me reste, peut-être que j'aurais plein de choses à y demander, puis qu'elle me dise. Puis j'ai toujours pensé qu'il me manquait quelque chose en moi. Puis lorsque j'ai su que ma sœur, que j'avais une sœur jumelle, j'ai compris qu'est-ce qui me manquait. C'était la moitié d'elle. Vous êtes né quelle date? Moi, je suis né le 12 avril 1948. Sous le nom de? Michel, à l'hôpital Bellevue. Et je suis sûr que votre mère, il y a un petit détail qu'il faut donner absolument, un petit détail physique. Oui, je suis venu au monde avec 12 orteils, 6 dans chaque pied. Une maman, oublie pas ça. Je l'espère. On vous souhaite bonne chance, Merci Michel. Merci beaucoup. Isabelle et ses parents sont venus de tout près de Mont-Laurier. Les Chutes-Saint-Philippe. À la recherche de... Kimberly de Montigny, ma sœur d'accueil. Sœur d'accueil qui a été précieuse pour toi. Oui. Tu me disais, on avait la même chambre, on avait la même école primaire et tout. Oui, ma préadolescence avec elle. Bon. C'était comme une sœur, finalement. Oui, ma grande sœur. Tu as fait un appel très émouvant, toi. Et il y a des collègues de Kim qui ont entendu ton appel. Ils ont raconté à Kim ce que tu disais là-dedans. Et puis Kim, qui était comme ta sœur, là, elle est ici pour toi et tes parents ce soir. Merci.
continue. Oui, ça il faut continue. Que ça continue. Vous, vous cherchez... Ma sœur Micheline. Oui. Qui est née le 9 novembre 1966 à Montréal. Puis nos parents sont Arthur Charette et Nicole Beaulieu. Vous disiez dans votre lettre avoir du regret parce que Micheline a déjà cherché à communiquer avec vous. Puis... Ah, mais on s'est déjà rencontrés il y a une vingtaine d'années. Puis vous dites, j'étais pas prêt. Non, c'est sûr, le timing n'était pas bon. Le timing n'était pas bon. Bon. Là, le timing est meilleur maintenant. Ça. Si elle était ici, là, qu'est-ce que vous auriez le goût de lui dire? Bien, je ne sais pas, demander pardon de, je sais pas, d'avoir été aussi con. Je suis sûr qu'elle vous a déjà pardonné. La preuve, c'est qu'elle est ici pour vous ce soir. Ici, puis on espère. Hein? Oui. Toi, tu cherches? Moi, je recherche mon père biologique, Paul Hamel. Dans les années 80, il devait vivre dans le quartier Rosemont, à Montréal. Mon nom, c'est Karine Vincent. Je suis née le 21 juin 1983. J'ai un frère qui est né en 1988, qui s'appelle Stéphane. J'aimerais tellement le rencontrer parce que j'ai tellement de choses à lui dire, j'ai tellement de choses à comprendre de ma personne. Puis ça serait tellement un manque que j'ai tellement... extrême. J'ai le goût de le voir, j'ai le goût qu'il soit là, j'ai le goût qu'il soit près de moi. Ben, j'ai plus de famille, ma mère est décédée, ma grand-mère est décédée, il me reste pas grand monde. Puis j'aimerais ça, combler le vide que j'ai. Surtout qu'apparemment, on t'a souvent dit que tu ressemblais à ton oui, papa. Oui. Alors, s'il te voit ce soir, là, j'espère, on te souhaite. J'espère qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a une grande famille, il y a des frères, des sœurs. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me regarde ce soir, puis qu'il va m'appeler, puis qu'il va vouloir venir me voir. Tu le mérites bien, ma chouette. On te le souhaite. Oui. Vous deux, c'est une demande commune. Vous êtes d'abord à la recherche d'un demi-frère. Un demi-frère, Maxime Lompré. Puis il est né le 16 mars 86. Puis on aimerait ça le revoir. Là. Moi, je l'ai vu il y avait 2 ans la dernière fois. Fait que ça serait le fun de le retrouver. En tout cas, on l'attend si entend notre message. Mm-hmm. Et vous êtes à la recherche d'un fils? Oui, je suis en recherche de mon fils. Il s'appelle Marc Lompré. Il est né à l'hôpital Maisonneuve. Il est né en 83. Puis j'aimerais bien ça le voir parce que tu me manques, mon gars. Alors, un papa qui est venu de la Gaspésie aujourd'hui dans l'espoir de retrouver son fils. Et vous deux, vous êtes à la recherche de votre demi-frère. On vous souhaite bonne chance. Et il y a notre ami Micheline et Paul. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Paul? On est heureux? Oui. Merci, Micheline, d'avoir répondu à l'appel de Paul. Et je sais que vous souhaitez retrouver votre mère. Alors, je vais vous donner la chance de lancer cet appel-là. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information, Micheline? OK. Mais ma mère s'appelle Nicole B. Elle restait à Ville-Saint-Michel à ce moment-là. Quand elle a rencontré mon père, M. Arthur Charette. Moi et mon frère, mettons, on est ensemble. Si maman, si tu nous vois, bien, appelle-nous. Moi, notre date de fête, c'est le 9 novembre pour moi. Puis mon frère... Le 19 août 68. Le 19 août 68. Fait que si tu veux nous appeler, là, on est là toutes les deux pour toi, pour t'aimer puis t'embrasser. Alors, le frère et la sœur sont heureux d'être réunis. Oh, oui. Il ne manque que la maman. On vous espère. Manifestez-vous. Et on vous revient tout de suite après ces quelques messages avec d'autres retrouvailles. La Bonne Nouvelle TVA vous est présentée par General Motors. Il faut ouvrir l'œil sur les maladies des yeux. C'est le message de l'humoriste François Morancier de la Fondation des maladies de l'œil qui mène une campagne à travers la province pour dépister gratuitement les problèmes oculaires dans les écoles. Un moyen de rappeler que la vue a un impact majeur sur le rendement scolaire. La Bonne Nouvelle TVA vous a été présentée par General Motors. 11 voitures étaient en lice pour le titre de voiture de l'année, mais une seule possédait tout ce que les juges recherchaient. Comme une tenue de route et une conception européenne, un moteur disponible de 252 chevaux et les standards de sécurité les plus élevés de l'industrie. L'Aura de Saturne, nommée voiture nord-américaine de l'année en 2007. Faites-en l'essai chez votre détaillant Saturne et découvrez comment on se sent au volant d'une gagnante. Lady Speedstick présente « Comment se comporter en dame » avec Maria Sharapova. Une dame n'élève jamais la voix.
La place d'une dame est à la maison. Vivez selon vos propres règles. Avec le Lady Speed Stick 24/7. Sa formule à double action contrôle les odeurs et l'humidité afin que vous vous sentiez vraiment femme. Une dame ne laisse jamais paraître ses vraies émotions. Enfin, presque jamais. Le Lady Speed Stick 24/7. Une protection continue pour la femme moderne. J'aimerais tourner avec Yves Campbell. Sa roue de fortune, mes merveilles, je la tournerai encore. Fortune chez vous offre des bonnies à la télé pour gagner et tourner encore, encore et encore. Et le total des lots bonnies instantanés et télé s'élève à 1,5 million. Les nouveaux mouchoirs antiviraux de marque Kleenex emprisonne et tue 99,9% des virus du rhume et de la grippe à l'intérieur du mouchoir. Et oui, il les tue. Surveillez la circulaire Multimeuble Gilles Boisvert. Vous y trouverez une bouffée d'air frais. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement envie de nouveautés. Pour un temps limité, nous payons les taxes pour vous. Ou obtenez jusqu'à 36 mois pour payer. Apportez le coupon de la circulaire en magasin et courez la chance de gagner une escapade à Paris. Vous pouvez pas manquer ça. Venez voir chez Multimeuble Gilles Boisvert. Les nouveautés printanières sont arrivées de toute beauté. Sur la rue King West à Sherbrooke. Cet hiver, c'est attrayant, c'est emballant, c'est excitant. C'est en regardant TVA Télé 7 que c'est gagnant. Cette semaine, repérez l'un des 7 indices par jour et courez la chance de remporter l'un des 3 paniers cadeaux d'une valeur de 500 $ chacun, signé Bleu Lavande. Enveloppez-vous de lavande avec des produits pour le corps, la maison et votre bien-être. Inscrivez-vous au 1-900-882-7777. C'est en participant que c'est gagnant à TVA Télé 7. C'est excitant. Vendredi prochain, on donne tout ce qu'on a dans le ventre. Tourne sa langue plus d'une fois dans sa bouche pour atteindre les plus hauts sommets. Du talent à revendre, vendredi prochain, 20h. Je me nomme Monique Larnaud. Je recherche Carole Lepage, une amie d'enfance. Carole, je te recherche aujourd'hui car nous avons cheminé un long moment ensemble et ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu vois la femme que je suis devenue et pour te dire aussi que les conseils que tu m'as donnés tout le long de nos vies qui ont porté fruit aujourd'hui. Je suis Nadia Charrette et depuis 15 ans, je me demande ce que mon amie d'enfance de Châteauguay, Nancy Kane, est devenue. Nancy, depuis ton déménagement en 1991 à Calgary pour le nouvel emploi de ton père, Gary Kane, notre relation a été malheureusement coupée. On a maintenant toutes les deux 30 ans et ce serait une immense joie pour moi de savoir ce que tu es devenue et de savoir si tes rêves et tes projets se sont réalisés. Donc, si tu attends mon appel, s'il te plaît, manifeste-toi. Moi, c'est Patrice Dionne. Je recherche Laurence Maltais, qui était notre nounou. Laurence, tu nous as gardés quand on était petits, entre les années 62 et 66. Tu nous as gardés pendant 4 ans. Moi, j'avais 3 ans à peu près quand tu nous gardais. T'es allé nous reconduire à l'école pour la première fois. Tu m'as consolé pour la première fois quand je pleurais. Je garde un excellent souvenir de toi, puis j'aimerais beaucoup te revoir. Alors, évidemment, on souhaite bonne chance à Monique, Nadia et Patrice. Les gens qui nous ont présentés sont précieux pour eux. Et Jocelyn, je vais vous demander de venir me rejoindre. Vous êtes en forme, vous? Hein? Vous êtes capable de courir un peu? Oui, oui. D'ailleurs, on m'a dit que les gens vous appellent Claire Lamarche parce que vous êtes un rassembleur et vous avez, entre autres, la troupe qui est allée en ex-Yougoslavie. Vous les rassemblez, vous allez vous réunir demain. Et oui. L'idée, c'est que Dwayne, dont vous nous avez parlé, là, il fait partie de cette troupe-là. Oui. Oui. Vous aimeriez le revoir. Au bout. Oui. On a travaillé fort. Et ouais. On l'a trouvé, mais savez-vous où? En Afrique du Sud. Alors, normalement, là... Oui.
C'est difficile à battre, hein, ça? Ah, c'est fort. C'est alors, fort. Il vous entend. Edwin. Bonjour, Jocelyn. Hey, comment ça va? Ça va très bien, merci. Hey, t'es en top shape, mon homme? J'essaie. Hein? Merci, vous? Toujours aussi big? Oui, j'essaie. Hey, tabarouette, hey, là. Hey, on est tous à Québec demain pour le tournoi pour les enfants aveugles là, de la police militaire. Puis toute la gang sauf toi vont être là. Oui, mais je sais, je l'avais attendu, mais comme vous savez, c'était un peu trop loin pour moi pour faire le voyage d'Afrique du Sud. Oui, qu'est-ce que mais, vous faites? Je pense la fin d'avril, je vais à New York pour une conférence, puis en mai, commencement de mai, je retourne à Montréal, puis j'espère qu'on va peut-être se rencontrer. Ouais, je t'attends, mon ami. Oui, mais je suis sûr. Moi aussi, mon ami. Je suis sûr que vous allez vous parler d'ici ce temps-là. Qu'est-ce que vous faites en Afrique du Sud, Dwayne? Je travaille pour le Nations Unies, le quartier général à New York. Je suis un avisé de sécurité en charge de les 46 pays dans les divisions d'Afrique. Et il est quelle heure chez vous maintenant? Maintenant, il fait, je pense, c'est 2h30 le matin. Ben merci beaucoup. Merci. Merci, Dwayne. Alors, on va vous donner ses coordonnées tout de suite après l'émission. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dwayne. Puis bonne journée à vous autres demain. Hein? Dwayne va être présent dans leur affaire, c'est sûr. Bonjour. Oui, vous êtes à la recherche de... Ma mère biologique. J'ai été adoptée. Mon nom est Marc. Mon nom à la naissance, c'est Joseph-Gilles Marc de Sèvres. Je suis né le 20 mai 1971 à l'hôpital Saint-Michel. J'ai été mis à la crèche de la réparation le 20 décembre 72. J'ai été 18 mois avec ma mère biologique. Et puis, je parlais à 10 mois, j'ai dit mes premiers mots. C'est que j'ai pas des souvenirs d'elle, mais on a vécu des choses ensemble. Mmh. Je sais qu'elle a pris deux fois des nouvelles de moi après mon adoption pour avoir des informations. Ce qui veut dire qu'elle doit être encore intéressée à savoir ce que vous devenez. Alors, si elle vous voit ce soir, on espère qu'elle va avoir un coup de cœur puis qu'elle va venir se joindre à nous et vous retrouver. Oui. On vous souhaite bonne chance. Merci. Vous aussi, vous êtes à la recherche de votre mère. Oui, je suis née le 1er février 61 à la Miséricorde de Montréal. J'ai été ce qu'on appelle un enfant réservé. De la naissance jusqu'à 7 mois, je suis restée à l'hôpital et ma mère payait une pension. À 7 mois, elle est venue me chercher. Et à 24 mois, quand j'ai eu 24 mois, elle, à bout de ressources, a été obligée de me laisser à l'adoption. Mais j'ai eu une très, très belle vie avec une très belle famille adoptive. Et aujourd'hui, c'est une nécessité aussi, comme certains ont dit, là, de la retrouver. Il y a un certain vide, il y a un grand vide aussi. Il y avait beaucoup de reconnaissance dans votre lettre aussi. Vous disiez, je voudrais lui dire merci de m'avoir gardée avec elle pendant ces deux premières années-là et tout. Oui, de vraiment avoir tout fait, là, tout ce qu'elle pouvait à cette époque-là pour me garder. Bien, on vous souhaite bonne chance pour la retrouver. Merci. Vous êtes à la recherche, tous les deux, de votre fils. De notre fils, né le 4 mai 65 à l'hôpital Saint-Croix de Montréal. Lorsqu'il est né, il pesait 5 livres et demi, 7 mois et demi prématuré. Je veux lui dire qu'il y a un morceau de moi qui manque et puis qu'on n'a jamais tourné la page. Alors. C'est la même chose pour le papa, oui, j'imagine. La même affaire pour moi aussi. On vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Oui, à la recherche de... Danny Gallaire. Ça se trouve avec mon neveu. Puis ma soeur, bien, elle ne pouvait pas le garder. Fait qu'il était donné en adoption à l'âge de 3 ans. Fait que là, bien, je voulais le rechercher. Parce... Si vous entend ce soir, qu'est-ce que vous avez le goût de lui dire? Je l'aimerais. Que je ne l'ai pas oublié. On vous souhaite bonne Merci. Chance. Il y a des gens qui vous accompagnent là-dedans aussi. Oui, vous êtes à la recherche de votre père? À la recherche de mon père, Bernard F., né à Mont-Joli. Il serait âgé aujourd'hui de 69 à 71 ans. Il a fréquenté ma mère de Québec, Charlotte Rondeau, à l'automne 1959. On sait qu'il aurait travaillé dans le domaine de l'horticulture en tant que paysagiste. Puis il aurait eu probablement aussi... il aurait été propriétaire d'un motel sur la rive sud de Québec. Et si vous le retrouvez, vous avez 7 beaux enfants à lui présenter. En effet, nous sommes une famille reconstituée. J'en ai 3 qui sont les plus vieux. Et ma conjointe, elle en a 4 de son côté. C'est beau, une belle famille de la Beauce. Alors, on espère que le papa va se manifester. On vous souhaite bonne chance. Les Colombos, on a encore besoin de vous. S'il vous plaît, désengorgez les lignes.
On les laisse uniquement pour les informations qui sont précieuses, pour les gens qu'on veut retrouver. Et on se revoit tout de suite après les quelques messages qui suivent. Le dindon Excel d'or. Du congélo au four, sans détour. Une famille moyenne consomme 3 tonnes de produits d'épicerie par an. C'est presque autant qu'un lutteur sumo. Le concours Visa, épicerie gratuite pour un an. Utilisez votre carte Visa à l'épicerie et courez la chance de gagner. Moi, quand je prends des médicaments, je suis toujours les recommandations de mon médecin puis mon pharmacien. C'est mon corps qui me dit merci. De rien. Moi, je garde toujours une liste à jour de mes médicaments avec moi. C'est toujours utile. C'est mon corps qui me dit merci. Écoute. Place au goût avec le festin Varibari avec nouveau méga bâtonnet, plus gros et plus délicieux que jamais. Du poulet frais du Québec préparé selon la recette originale, des frites, de la sauce, des salades, sans oublier nos nouveaux méga bâtonnets. PFK, place au goût. Votre projet est vraiment très intéressant. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Découvrez chez Briques et Pavés Sherbrooke les plus grandes marques, dont Napoléon, et profitez d'un service conseiller comparable et des meilleurs prix en région. Pour un temps limité, obtenez des rabais jusqu'à 50% sur les poêles et foyers. Voilà ce qu'il vous faut pour réchauffer votre intérieur. Briques et Pavés Sherbrooke, 69 Chemin Godin, secteur Saint-Élie. Votre rêve, notre flamme et nos prix. Du 17 au 25 mars, Bourget Audio-Vidéo paie les taxes sur tout en magasin et vous offre ses Bourget Dollars. Une gamme de produits haute performance offerts à des prix réduits. Des marques renommées telles Pioneer, Macintosh, BW, Riga et plusieurs autres. Du 17 au 25 mars, nous payons les taxes sur tout et obtenez en plus 300, 500, 1000 Bourget Dollars applicables à l'ensemble des articles en magasin. Économisez comme jamais! Bourget Audio-Vidéo, les spécialistes du son et de l'image, Boulevard Bourque, Sherbrooke. Escape 2008 de Ford. Une évolution naturelle. Cette semaine, votre magazine Le Lundi vous offre de la nouveauté. José Lavigueur devient votre coach personnel avec son tout nouveau cahier hebdomadaire En forme avec José. Découvrez une autre façon de vous entraîner. Cette semaine, José vous suggère 5 exercices à faire au lit. Michel Jasmin vous propose une rencontre intime avec Patricia Paquin. Et Claudine Desrochers vous raconte ses souvenirs d'enfance. Plus, Le Lundi vous offre la chance de gagner un voyage pour 2 personnes à Cuba. Votre magazine Le Lundi, en vente partout. Connaissez-vous le registre des droits personnels et réels mobiliers, le RDPRM? En consultant le RDPRM, vous pouvez savoir si le véhicule que vous souhaitez acheter est libre de dette. Regardez ma chronique automobile dans Salut Bonjour et courez la chance de gagner un chèque cadeau de 20 000 $ offert par l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec, applicable à l'achat d'un véhicule chez l'un de ses membres. Inscrivez-vous sur Internet afin de participer. RDPRM. 5 lettres à retenir pour ne pas acheter les dettes des autres. Mon nom est Mélanie Lheureux. Je suis ici aujourd'hui pour retrouver Marie Leblanc, ma prof de 6e année de l'école Saint-Étienne sur la rue Christophe-Colomb à Montréal. Je veux te retrouver, Marie, car pour moi, tu as été une personne très importante durant mon enfance et tu es la seule qui a su croire en moi. Comme tu vois, j'ai toujours gardé la carte que tu m'avais offerte quand j'en avais grandement besoin. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vouloir t'offrir un bon souper comme tu l'as déjà fait pour moi et te faire découvrir la femme que je suis devenue. Marie, j'attends tes nouvelles. Mère Jean Fournier de la Sœur Guy Léger. Elle est un grand ami d'enfance, né le 16 avril 1953, qui habitait sur la première avenue à Rosemont. Guy
J'aimerais bien ça que tu m'appelles bien, très bientôt, parce que je vais t'inviter à mon mariage. J'attends ton appel. Je suis Marie-Kim, je suis de Ville-Mercier. Je suis à la recherche de ma meilleure amie, Julie Brouillard. Julie, on s'est perdu de vue il y a bientôt 6 ans. Je m'ennuie de toi, de nos soirées à rire aux éclats. Je tiens à dire que mes folies de jeunesse sont loin derrière moi. Mon futur n'attend plus que toi. À bientôt, Majou. Sur vous, puis Cathy, toi, tu comptes sur nos Colombos aussi. Oui, moi, je suis à la recherche de mon père, Normand Beauchemin. Il est né le 23 octobre 64. Il a 3 frères et 1 sœur. Tu l'as connu? Oui, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 11 ans. Je demeurais à Sainte-Julie. Quels souvenirs tu gardes de lui? Des très bons souvenirs. J'ai passé la fin de semaine avec lui. On est allé au restaurant, on a magasiné. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas eu aucune nouvelle. J'ai eu des cartes pour ma fête à l'âge de 6 ans et 7 ans qu'il m'avait offert. Puis... Ah, t'as pas d'enfant, toi? T'es toute jeune? J'ai une petite fille de 6 mois. Hey, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Il serait grand-papa? Oui. S'il est à l'écoute ce soir, qu'est-ce que t'as le goût de lui dire? Ben, je veux pas chambarder sa vie. Garde, je veux au moins qu'il voit ma fille une fois. Je veux qu'elle voit son grand-père. Garde, s'il veut pas me revoir plus que ça, garde, je l'attends à bras ouverts. Je l'aime, puis... Regarde, même s'il est parti quand j'avais 11 ans, je vais toujours l'aimer quand même. Là. On te souhaite de le revoir, ma belle. Bonne chance. Merci à toi. Merci. Moi, je recherche Manon Vaillancourt. Elle est née le 11 novembre 1974. J'étais une jeune fille que j'ai gardée en foyer d'accueil plusieurs années. Puis on s'est perdu de vue, ça fait 14 ans. Puis j'aimerais savoir ce qu'elle est devenue. Elle vous manque beaucoup. Oui, beaucoup. Elle me manque beaucoup. Des fois, il y a des gens qu'on accueille comme ça et qui deviennent des membres de la famille. Oui, hein? C'est comme, c'était comme votre fille. Oui, oui, beaucoup. Alors, vous nous rappelez son nom? Manon Vaillancourt. Manon Vaillancourt, il y a presque un cœur de maman qui t'espère ici. Bonne chance à vous. Oui, alors un jeune homme qui est venu de l'Ontario dans l'espoir de retrouver son père. Oui, je suis à la recherche de mon père biologique. Son nom, c'est Gilles Brunet, et puis il est venu le 5 octobre 1956, donc il aurait 50 ans aujourd'hui. Et puis il y a 5 frères, dont Michel, Mario, Luc, Guy, et puis Claude qui m'accompagne ce soir. Mm-hmm. Et puis, papa, si tu es à l'écoute, ben j'aimerais te dire que je n'ai jamais oublié, puis je t'aime, puis je te pardonne pour toutes les choses, puis j'ai des bons souvenirs, puis j'espère te voir. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton père? 25 ans. Alors, écoute, on te le souhaite. Claude, voulez-vous ajouter quelque chose? Bien, je lui souhaite toutes les chances du monde qu'il retrouve son père. On aimerait ça le voir, nous autres aussi. Ouais. Alors, il y a une grande, grande, grande famille qui l'attend. Ah oui, ah oui. On vous souhaite bonne chance à tous les deux. Oui. Et toi, t'es venu du Nouveau-Brunswick? Oui. Dans l'espoir de retrouver... De retrouver ma mère biologique, Nancy Lauzier. Je suis née le 26 décembre 1979 à l'hôpital Christ-Roi à Vanier. J'ai habité avec elle jusqu'à l'âge de 4 ans et demi dans le quartier Saint-Pascal. J'aimerais ça pouvoir lui parler puis lui poser les questions à laquelle je me suis toujours posée. J'ai pas encore de réponse. As-tu des souvenirs de ça? Toi, tu dis jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, tu te souviens de ta maman? Ce que je me souviens le plus, c'est ses longs cheveux roux qui m'ont marqué. Puis j'ai encore souvent des souvenirs de ça dans ma mémoire. Alors écoute, on te souhaite bonne chance. Puis les beaux cheveux roux de ta mère, on aimerait ça les voir ce soir. Bonne chance à toi. Faut pas que tu sois venu du Nouveau-Brunswick pour rien. Garde, j'ai un beau papier jaune qui arrive. On t'en souhaite un, toi aussi. Oh, et là, et Monique Galarno, venez donc me voir ici. Venez ici, Monique, ici. Claire est ici, Monique. C'est beau. Venez-vous-en. Oui, c'est ça. Et vous nous avez parlé d'une amie tout à l'heure qui était comme une sœur pour vous. Oui. Oui, il paraît que vous avez traversé ensemble toutes sortes de difficultés. Oui. Vous êtes restées proches l'une de l'autre pendant plusieurs années. Elle vous a aidée. Et vous disiez, je me souviens qu'on a parlé avant l'émission, vous disiez... J'aimerais ça pouvoir lui montrer maintenant... La femme que je suis devenue. Oui, la femme que je suis devenue. Oui. Ben, elle est ici pour vous ce soir. On va lui demander d'entrer. Oui.
Bonsoir. Tout est encore possible pour les trois chefs de parti. Qui va sortir vainqueur du scrutin de lundi? On vous présente ce soir un sondage exclusif de Léger Marketing, 22h. Vous savez sans doute que la Civic consomme très peu d'essence. Près de 900 km avec un seul plein. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'elle est aussi équipée d'une petite pédale rectangulaire juste ici. Quand vous voyez une lumière jaune, vous appuyez sur la pédale et la voiture s'arrête avant de brûler la rouge. Il y en a de moins en moins de voitures qui l'ont, cette pédale-là. C'est bien fait pareil, cette petite bête-là. C'est pas cher. C'est spacieux, c'est confortable. Voici le nouvel effaceur magique nettoyant moussant Monsieur Net. Utilisez le côté blanc pour effacer les taches séchées sur la céramique et l'éponge du côté orange pour nettoyer en douceur les surfaces comme le granit. Le nouvel effaceur magique nettoyant moussant Monsieur Net nettoie comme par magie. Sur la table de la salle à manger et même devant la fenêtre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une meilleure façon de réduire les allergènes printaniers. Les plumeaux Swiffer Dusters emprisonnent les allergènes que les vieux plumeaux répandent. Ils nettoient le printemps encore plus proprement. Depuis 4 ans, le Québec a repris son rôle de leader au Canada. Avec la reconnaissance de la nation québécoise, du fédéralisme asymétrique, de la place du Québec à l'UNESCO et le progrès réalisé dans le dossier du déséquilibre fiscal. Le 26 mars, vous aurez à choisir la meilleure équipe pour faire progresser le Québec. L'équipe du Parti libéral du Québec propose de s'unir pour réussir. Je la veux. Ma maison Alouette. La maison Alouette. La tranquillité totale. Mirage lève le voile sur l'événement Printemps 2007. Votre rêve enfin réalisable. Imaginez des planchers de bois franc pré-vernis de qualité supérieure à prix accessible. Comme tous les experts s'entendent pour dire que Mirage est la référence ultime en plancher de bois franc, profitez de l'événement printemps du 12 au 25 mars pour vous offrir le meilleur plancher de bois franc au monde. Du 12 au 25 mars, Mirage s'offre à vous. Chez Plancher Bois Franc 2000, à Sherbrooke. Brick et Simmons vous présentent 2 nouveaux ensembles matelas et 2 offres exclusives. Achetez cet ensemble premium Beautyrest I Love Pillow Top de Simmons à plateau coussin moelleux et recevez cet appareil photo numérique 8 mégapixels de Kodak et cette télé ACL gratuitement. Ou bien, économisez $500 sur cet ensemble de Simmons Beautyrest Ultimate Luxury avec la technologie latex de l'air spatial. Et vous ne payez rien pendant 15 mois. Aucun intérêt et aucun versement initial. Brick, Victoriaville. Le cinéma, c'est la liberté. Avec Indiana Jones et la dernière croisade et Beethoven 4. Ce week-end, avec toute la famille, on regarde le cinéma à TVA. Liberté en VR. Qu'allez-vous découvrir? Pour nous, Maison Alouette a créé la série Valeurs Plus. Des maisons abordables pour un accès facile à la propriété. Un choix de modèle offert à partir de $60 000. La série Valeurs Plus des Maisons Alouette. La tranquillité totale à prix abordable. Mon nom est Denis Goulet. Je suis à la recherche de Michel Bernier, originaire de la ville de Québec. Nous avons passé 4 ans ensemble comme coloc à Saint-Hubert et à Metz en France, dans l'aviation canadienne, dans les années 50. Michel, j'aimerais échanger de bons souvenirs avec toi. Si tu m'entends, ton vieux copain Denis de Montréal aimerait te rencontrer. Mon nom est Marcel Landry. Je suis à la recherche d'un jeune homme qui m'a sauvé la vie le 18 janvier 2004 sur la route 148, non loin de Grenville, un dimanche après-midi. Tu m'as sauvé la vie en m'aidant à quitter mon véhicule lors de l'accident quelques minutes avant qu'il explose. C'était une Venette 1995 de couleur bleue. Alors, ce serait très important pour moi de te connaître. Je te dois plus qu'un merci, je te dois la vie. Fait qu'à bientôt, j'espère, de tout cœur. Je m'appelle Joanne Rivet. Je recherche Michel Landry. Elle m'a enseigné en première année en 1973 à l'École Notre-Dame de Saint-Roch-Léchigan. Michel, tu étais ma grande confidente. Malheureusement, tu as dû partir pour enseigner ailleurs. Mais une partie de moi te réclame très fort. Comme tu vois, je ne t'ai pas oublié.
Donc, si tu entends ce message, n'hésite pas à me faire signe. Continuez de compter sur vous, bien sûr. Vos informations sont précieuses. Et vous travaillez bien parce que les papiers jaunes commencent à circuler. Patrice, viens me voir. Viens me voir. Écoute, un grand gars solide comme ça qui cherche une nounou qui a été précieuse. Alors, elle s'appelle Laurence, hein? Oui, je m'en rappelle certain. Oui, oui. Et imagine-toi que toute la ville de Saguenay ce soir est à l'écoute. Parce que Laurence, elle est dans la ville de Saguenay, qu'on appelait Chicoutimi dans le temps. Et puis, elle a pensé à toi toute la semaine. Elle se souvient de toi. Ah ben. Elle est ici ce soir pour toi. Ah ben. C'est toujours ça extraordinaire quand les gens n'hésitent pas à venir du lac Saint-Jean, du Saguenay, de la Gaspésie, répondre à un appel comme ça. On va vous souhaiter que ça arrive. Vous cherchez votre frère. Mon frère biologique, né en octobre, entre le 15 et le 30 octobre 1954, sous le nom de Christian. Notre mère vient de grand-mère. Elle était serveuse dans un restaurant. Mon père travaillait dans un bar comme musicien grand-mère. Il a été dans une famille d'accueil peut-être pendant 2 ans sous une famille qui s'appelait la famille Bellan en Shawinigan-Sud et Mont-Carmel. Les données que j'ai. Si vous entend ce soir, qu'est-ce que vous avez le goût de lui dire? De lui dire qu'on a une chance de se connaître, une chance qu'on n'a jamais eue. On est rendus à 50 ans tous les deux et je me l'espère du plus profond pour commencer quelque chose de bien. Je pense qu'il y a une autre famille aussi qui l'attend. Un autre frère, une autre sœur. Et je pense qu'on a, on a le droit de se dire que les choses qui n'ont pas été dites, puis qui ne sait peut-être pas, puis qui n'est peut-être pas au courant non plus. On vous souhaite de le retrouver. Merci. À la recherche de ton père. Oui, il s'appelle Bernard. Il était chauffeur de taxi dans les années 70 à Montréal. Il aurait fréquenté notre mère biologique, Lise Neveu. Il aurait 59 ans. C'est tout ça fait longtemps que tu l'espères? Oui, je le souhaite le connaître au moins une fois. S'il t'entend ce soir, qu'est-ce que tu as le goût de lui dire? Tout simplement que j'aimerais le connaître puis j'aimerais le serrer fort dans mes bras. Et Dolly, on te le souhaite. Et tu es avec ta demi-sœur ici. Vous êtes aussi à la recherche d'un demi-frère. D'un frère? Oui, d'un frère. Pas de demi, hein? Non, tout complet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bien, à ma connaissance... Ce que j'ai su, il serait né en 70, dans le temps des grèves hôpitaux, à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, vers le mois de mars. C'est tout ce qu'on a. Il a été adopté, mais on ne sait pas si c'est aux États-Unis ou ici. Alors, un papa qui est espéré et un frère, bonne chance à vous deux. Oh, une bonne nouvelle. Gilles Bourget. Vous aviez l'air de le savoir, vous. Votre ami, il est au téléphone. Bonjour, Raymond. Bonsoir, Gilles. Comment ça va? Ça va bien. Tu m'appelles de quel endroit? Je t'appelle de Farnham. Tu demeures là depuis longtemps? Je demeure ici depuis une douzaine d'années. Bon. Farnham... Pardon? Farnham, Montréal, ça se fait en combien de temps? Ça se fait à peu près dans une heure. Bon! Alors, j'aimerais ça te voir ce soir. J'aurais quelque chose à te remettre. J'ai un cadeau pour toi. Un jeu de cartes neufs. Alors, Fernand, ça se refuse pas, ça? Raymond. Raymond. Je me sens mon plus grand regret, là, je vais te le dire, c'est de ne pas être présent pour profiter pleinement de cette retrouvaille. Oui, mais on vous attend, on vous espère. Mais tu sais qu'il y a des années qui ont passé depuis ce temps-là, hein? C'est en quelle année, ça, juste, Gilles? 59-61. J'ai même eu des téléphones, il y a quelques instants à peine, de confrères de classe que tu avais à ce moment-là. Oui. Oui, mais ça nous dit pas si vous allez venir nous rejoindre ou pas?
C'est impossible que j'aille vous rejoindre parce que j'ai un état de santé précaire, puis on a des aléas dans ma vie parfois qui nous empêchent. Bon. Ben, alors, laissez vos coordonnées et Gilles va se dépêcher de vous rappeler tout de suite après l'émission. Ça va faire plaisir, Gilles. À bientôt. À bientôt, mon Gilles. Merci. Merci beaucoup. Toi, ma belle, tu es à la recherche de... Ma mère, biologique. Je suis née le 19 avril 1986 à l'hôpital Georges-Dumont de Moncton. J'ai été confiée à ma famille adoptive à Hansbleu le 28 avril 1986. Ma mère biologique s'appelle June. Elle est d'origine acadienne, puis elle est âgée de 18 ans quand elle a accouché de moi. C'est l'année d'une famille de 5 enfants. Elle a un frère qui est daltonien, puis il semblerait aussi qu'elle voulait m'appeler Cindy elle aussi. Oh là là, c'est assez précis, oui. Ça, comme information. Si tu l'as... Si elle t'entend ce soir, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je voudrais surtout lui dire un gros merci, parce que je sais que ça n'a pas été facile pour elle, tout ce qui s'est passé, puis... Grâce à ça qu'elle m'a mis en adoption, mais j'ai tombé dans vraiment une bonne famille. J'ai été bien élevée, j'ai jamais manqué de rien, puis j'ai vraiment vécu une vie heureuse. Alors, tu vois comme un geste d'amour le fait qu'elle t'ait confiée à l'adoption. Oui, puis je voudrais vraiment... Non, je lui en veux vraiment pas. Je la comprends très bien. J'aurais probablement fait la même décision à sa place. On te souhaite de la retrouver parce que on parle tellement de ça, ces retrouvailles-là, qu'il y a de plus en plus de mères biologiques qui mettent de côté la gêne qu'elles peuvent avoir puis qui n'hésitent pas à téléphoner ou mieux à se présenter en studio. Moi, j'aimerais vraiment ça. On te souhaite de vivre ce soir. Merci. Bonne chance à toi. Oui, alors, deux sœurs ici. Bonsoir. Vous, vous êtes venues de Québec. Et vous? Trois-Rivières. De Trois-Rivières, dans l'espoir de retrouver... Notre sœur, oui. Oui, qui s'appelle... Notre demi-sœur, qui s'appelle Monique Leblanc. Le nom fictif à la naissance. Elle est née le 11 ou le 25 septembre 1953 à l'hôpital Miséricorde de Québec. Mm-hmm. Évidemment, vous le faites beaucoup pour vous, puis vous le faites pour votre maman aussi, oui, qui est exactement. À l'écoute ce soir. Oui, elle est à l'écoute. Elle attend de voir si on va avoir de bons résultats. On est comme des Colombos pour elle, finalement. Ben oui, c'est bon, parce qu'elle, bon, son état de santé ne lui permettait pas d'être ici ce c'est soir. C'est ça, puis ça la ramène à beaucoup d'émotions. Donc, elle préférait regarder ça un petit peu à retrait, mais... Elle vous a envoyé en mission. C'est ça, on est en mission, exactement. Bon, ben, qu'est-ce que vous avez à dire pour convaincre votre sœur de se manifester? On a de la place, on a de l'amour encore pour elle. Et notre maman aussi. Ben, oui, la maman, j'aimerais ça qu'on la salue. Elle s'appelle comment? Josée. Alors, Josée, on pense à vous, puis on est avec vous de tout cœur. Bonne chance, les filles. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes venue accompagnée d'un de vos fils. Oui. Et vous êtes à la recherche de votre plus vieux? Je suis à la recherche de mon fils, Stéphane, né sous le nom de Stéphane Roy à la Miséricorde de Montréal, le 15 de mars 71. Je sais qu'il a été adopté par un couple d'origine italienne. Je sais aussi que Stéphane a été ondoyé et confirmé la même journée. Il a été baptisé le 19 de mars. Il a été intégré sa famille adoptive le 22 juin, puis il a été adopté légalement en 72. Mm-hmm. Vous dites qu'il est né le 15 mars, ça fait 71. Pas longtemps que c'était son anniversaire. Non. Ça doit être bouleversant toujours. Toi, tu dois voir comment ta mère vit ça difficilement. Hein, moi, je sais qu'elle a un vide en elle, puis c'est quelque chose qui compte en revenant avec ça. Puis même pour moi aussi, en sachant d'avoir un frère puis de ne pas le connaître, c'est quand même quelque chose de dur. Mm-hmm. Alors, on est avec vous de tout cœur, puis on vous souhaite bonne chance. Merci. Oui, Jerry, you came from Vancouver. Alors, Jerry est venu de Vancouver dans l'espoir de retrouver son père. Oui, je suis recherché pour mon père biologique. Son nom est Leo L. Son surnom était Lucky. Mm-hmm. En 1944-1945, il était dans la marine canadienne et basé sur la côte ouest. Il a rencontré ma mère, Grace Lam, à Vancouver. Mm-hmm. Il était artilleur dans la marine sur le navire des marchandises. J'aimerais beaucoup retrouver mon père. Quelqu'un de sa famille s'il est décédé. Bien sûr, Jerry, on vous le souhaite parce que vous avez fait un long voyage. Moi, ça m'impressionne, les gens qui viennent de Vancouver, qui pratiquent leur français longtemps avant l'émission pour être prêts. Et alors, le nom du papa de Jerry, je le répète, c'est Léo L. On vous souhaite bonne chance. Good luck.
Oui, Claude Nobel, qui est à la recherche de... Je suis à la recherche de ma grand-mère, Louise Vézina. Elle est née le 7 mars 1929 à Rantoul, en Ontario. Elle a été mariée avec Marcel Vézina, qui, lui, est décédé en septembre 1995. Ils ont eu 4 filles, dont Lise, Lynn, Michelle, ma marraine, et Renée Vézina, qui est ma mère. Pourquoi tu veux retrouver ta grand-mère, là? Ben, je lui ai fait une promesse de mes 18 ans, de la retrouver, de la revoir. Puis ça n'a jamais été fait. Puis là, aujourd'hui, j'ai 18 ans. Puis j'aimerais ça que ça se réalise. Ça prenait la télé pour la retrouver? Oui. Oui, oui. Parce que tu n'avais pas d'autres moyens? Non, parce que déménager, elle reste à Repentigny aujourd'hui. Pas loin, ce Repentigny? Vraiment pas loin. Alors écoute, on te souhaite bonne chance. Merci. Oui, vous êtes à la recherche de... Je recherche mes 3 fils. Tony Demers, né le 10 avril 1980. Donald Demers, né le 2 janvier 1982. Et Steven Demers, né le 14 octobre 1983. Et je suis à la recherche de mon père aussi, Serge Lantier, né le 13 mars 1941. Ça doit être des gens très précieux parce que beaucoup. Vous êtes venus de Mont-Laurier aujourd'hui, oui. Dans l'espoir vraiment de pouvoir desserrer les dans mes bras. Et on vous souhaite bonne chance. Merci. Oui, oui, je cherche mon neveu, Stéphane Petit. Il est né au mois de mai 2007, 67. Sa mère, c'est Lise Petit. Son père, c'est Claude Goyet. Et puis, à ce moment-là, il vivait à Saint-Jérôme. Et puis, Claude et Lise se sont connus à l'hôpital de l'Annonciation au début. Mm-hmm. Toi, c'est ton demi-frère, celui oui, qu'on cherche? Oui, c'est mon demi-frère. Stéphane, si tu m'écoutes, ben, tu fais partie de la famille, tu es une partie de mon père. Ben, j'aimerais ça te connaître. Et pour ma part, j'aurais un petit garçon à te présenter. Ça serait ton grand frère, en fait, qu'on ben, trouverait. Ben oui, mon grand frère, 40 ans. Oui, ben oui, ben bonne chance à vous deux. Alors, nos Colombos se mettent au travail. Écoutez, des gens qui viennent de Mont-Laurier, de Vancouver, du Nouveau-Brunswick, les Colombos, il ne faut pas les décevoir. J'ai une bonne nouvelle pour Lucie Dion. Lucie, au téléphone. Écoute, on a Ginette, une de vos sœurs. Ben voyons donc. Ginette? Oui? Allô? Salut! Ah, oh, mon Dieu! Mon doudou! Wow! C'est où est-ce que t'es? Je suis à Sherbrooke. Est-ce que vous êtes toutes à Sherbrooke, la famille? À Sherbrooke aussi. Carole est à Victo. OK. Les autres, comment est-ce qu'ils s'appellent? Je les connais Micheline. Pas. OK. Puis l'autre? C'est à notre bout de Montréal. OK. Puis l'autre, elle s'appelle comment? Marise. Il y en reste une? Marise. Marise? Oui. Puis Marc, qui est, lui? Marc, il reste pas loin de chez nous, mais j'ai pas son téléphone. Oh, mon Dieu! Est-ce que ma mère est encore vivante? Non. Oh, non. Elle est décédée il y a 4 ans. Oh. On fait 4 ans au mois de mai. OK. Mais en tout cas, t'as quand même des photos. Oui, ma mère, oui, mon père. Ça, j'ai beaucoup de photos. Oh, mon Dieu, je suis contente! Oh, la dernière fois que je t'ai vue, t'avais un an. Je pense que j'ai grandi, hein? Oui! Okay. Est-ce que vous étiez à l'écoute ce soir? Non, c'est quelqu'un de la famille de Tucker Mines qui m'ont appelé. Qui ça? Mon oncle Wilfried. Oh, je sais pas. Wilfried. Ah, j'ai quand même de la parenté encore à tête ferme? Oui, mais mon oncle, mais ma tante. Ah, parce que moi, je viens de là, ma soeur, oui, elle reste encore. Je viens de là, oui. Alors, vous allez laisser vos coordonnées pour que Lucie puisse vous rappeler. Puis si on peut vous donner un petit travail supplémentaire, essayez de brasser les autres un peu. Oui, je veux savoir ce qu'ils sont, puis je veux vous appeler, je veux voir, puis je pense que je vais monter à Sherbrooke demain, moi. OK, wow. Ça serait parfait, ça. Oh, yeah! Bien, merci beaucoup de votre appel. On a une fille heureuse ici. Bravo! Bien, on est contents. On est contents. Merci, les Colombos. On se retrouve tout de suite après ces quelques messages. Cascade vous invite à changer d'environnementalité pour avoir de l'air pur, des lacs, des forêts et un environnement en santé. Voilà pourquoi chez Cascade, nous utilisons moins d'arbres, moins d'eau et aucun chlore pour fabriquer des papiers tissus de toute première qualité. Et pour un temps limité, obtenez un des 3 guides jardinés écolo, gratuit, dans les emballages d'essuie-tout et de papier hygiénique Cascade spécialement marqué. Adoptez-le au quotidien et changez-vous aussi d'environnementalité. Cascade, un choix naturel.
Manger santé, c'est aussi amusant qu'un jeu d'enfant. Manger santé pour la vie. Commencez par bien vous renseigner. Pour obtenir des conseils pour bien manger et être actif, ainsi qu'un exemplaire du nouveau guide alimentaire canadien, visitez le site web ou composez le 1-800 au Canada. Un message santé du gouvernement du Canada. Nissan Altima 3.5 SE, V6 de 270 chevaux, clé intelligente, choix de financement et de terme à l'achat. Couleur, couleur, couleur. Vous avez un sens pour les bonnes affaires? À vous de choisir votre Nissan, votre terme et votre financement à l'achat ou à la location sur nos modèles les plus courus, comme les nouvelles Sentra, Altima et Versa. Couleur... poudre argentée. Mais, il me semble que c'est évident. Création par an. C'est des voilages, des draperies, des accessoires déco, des lampes, des meubles d'appoint et plus. Profitez de notre service de décoration à domicile. Création par an. 8 boulevard Arthabaska Est à Victoriaville et aussi coupons par an à Drummondville sur la 12e avenue. Cette semaine, votre magazine Le Lundi vous offre de la nouveauté. José Lavigueur devient votre coach personnel avec son tout nouveau cahier hebdomadaire En forme avec José. Découvrez une autre façon de vous entraîner. Cette semaine, José vous suggère 5 exercices à faire au lit. Michel Jasmin vous propose une rencontre intime avec Patricia Paquin. Et Claudine Desrochers vous raconte ses souvenirs d'enfance. Plus, Le Lundi vous offre la chance de gagner un voyage pour deux personnes à Cuba. Votre magazine Le Lundi, en vente partout. 10-10-710, c'est facile à composer et c'est facile d'économiser. Pour 99 cents par appel, vous pouvez parler jusqu'à 60 minutes partout au Canada et aux États-Unis. C'est simple. Pas de frais mensuels, pas d'abonnement, pas de contrat, et ce, en tout temps. C'est facile. Composez le 10-10-710 suivi du 1, du code régional et du numéro. Vos appels seront facturés sur votre compte de téléphone local. 10-10-710, facile à se rappeler, facile d'économiser. À Tout simplement Claudine, tous les mardis, ne manquez pas Opération Ménagez-vous. Des experts rencontreront des gens pour leur simplifier la vie et leur donner de précieux conseils ménagers. Participez au concours Changer d'air, vous pourriez redécorer votre cuisine ou votre salle de bain pour une valeur de 10 000 $ en collaboration avec Loblaw, Provigo et les produits Ménagez-vous. Inscrivez-vous sur tva.canoë.com et répondez à la question concours. Avec Opération Ménagez-vous, nous allons simplifier et transformer votre vie. Création par an, c'est des voilages, des draperies, des accessoires déco, des lampes, des meubles d'appoint et plus. Profitez de notre service de décoration à domicile. Création par an, 8 boulevard Arthabaska Est à Victoriaville et aussi coupons par an à Drummondville sur la 12e avenue. Je m'appelle Pierre Desmarais. Je suis à la recherche d'un ami d'enfance, Pierre Gervais. Si je te recherche, Pierre, c'est parce que j'ai la nostalgie du plaisir que nous avions ensemble sur la rue Potvin. Rappelle-toi le fun qu'on avait dans les parcs du village de Saint-Timothée. Ça fait longtemps que je te recherche et la journée où je vais te retrouver, ça va être le party de l'année. Je m'appelle Nicole Saint-Pierre. J'aimerais retrouver Isabelle Tremblay, qui était travailleuse sociale en 94. Isabelle, j'aimerais que tu me donnes de tes nouvelles, car tu as été pour moi une bouée de sauvetage pour moi et mes enfants. Et tu sais, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et j'aimerais beaucoup que tu me contactes pour que tu puisses voir ce qu'on est devenu, moi et ma famille. Merci. Allô, Marie-Larose et tes 5 enfants. C'est Stéphanie Bisson. Tu te souviens, j'ai habité chez toi en 96-97 à Sainte-Thérèse et à Blainville sur la rue Arthur-Buy. Je te recherche parce que tu m'as beaucoup aidée et tu es une personne déterminante dans ma vie. Tu me manques beaucoup et j'espère te revoir avec David, Dana, Billy, Alexia et Tristan. Si on veut réussir à faire quelque chose pour ces gens-là, il faut absolument, absolument que vous cessiez de nous téléphoner. Si vous cherchez quelqu'un, on me dit que le 3/4 des appels qui entrent sont des appels qui disent « je cherche maman ». On ne peut rien faire pour vous ce soir. Vous nous direz ça demain, vous nous l'écrirez, vous nous téléphonerez. On va répondre à tout ça. Ce soir, il faut laisser les lignes libres uniquement pour les informations parce que tous ces gens-là espèrent retrouver. D'ailleurs, il y a du monde qui réussit à se faufiler. J'ai une bonne nouvelle. Diane et Christiane Grève. Je vais vous demander de venir me rejoindre ici. Diane et Christiane. Alors, à la recherche d'un neveu et d'un frère. Alors,
Danny, il est au téléphone. Danny? Oui. Oh, mon Dieu. Bonjour, Danny. Bonjour. Je suis la voisine, je m'appelle Joanne. Je représente ta tante Diane. Bonjour. Et ta tante Francine. Allô, Danny? Bonjour. Ouais, ça va? Oui, bien, merci. Ah, bon. T'as une demi-sœur, Danny. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, je ne savais pas. OK. Donc, tu as une sœur qui s'appelle Christiane. Oui, bien, Christiane, moi aussi, je la savais. Tu la connais? Non, je l'ai jamais connue, mais je savais que je suis au courant. OK. Tu demeures où, Danny? Je demeure à Québec. Tu demeures à Québec? Oui. Ah. Tu descends à Montréal des fois? Non, c'est assez rare, mais on pourrait peut-être faire une exception. Tu ferais un beau cadeau de Pâques, en tout cas, à ta tante. Oui. Eh bien, elle a beaucoup d'émotions. Est-ce que tu la vois présentement? Est-ce que tu vois tes ouais, deux? Oui, je vois tes vies, oui. Bon, okay. Bon. Alors, Danny! Elle aimerait bien te parler de ta mère. C'est évident, elle a des photos, elle a plein de souvenirs à te parler. Oui. Puis comme tu vois, elle a beaucoup d'émotions, elle a beaucoup d'amour à te donner, puis te présenter ses petits-enfants, puis ta famille aussi qui l'entoure. Ah, c'est plaisant, oui. Alors, Danny, merci beaucoup, beaucoup de ton appel. Il y a des gens qui pleurent ici, mais je pense qu'on pleure de bonheur. Hein? Oui, beaucoup. Ouais. On pleure de bonheur. Merci beaucoup, Danny. Les coordonnées. Et puis, oui, les coordonnées, c'est sûr. C'est automatique, Danny. Tu laisses les coordonnées. Et oui, et les gens de notre équipe vont vous donner ça tout de suite. Bravo, on est bien contents. On est bien contents. On est bien contents. Hey! Ça, c'est grâce à Danny. Bonne fin de soirée. Hey! Alors. Il nous en faut donc des retrouvailles comme ça, Josée, on t'en souhaite une, hein? Oui, effectivement. Toi, tu cherches des cousins et des cousines? Cousins, cousines, Serge, Éric, Sophie, Edith. Je veux les retrouver, c'est toute mon enfance. Puis ça fait beaucoup d'années qu'on a été séparés dû à la mort de ma grand-mère paternelle. Puis pour moi, Serge, j'aimerais tellement ça qu'il me prenne dans mes bras. C'était l'affection... c'était tellement bon, c'était tellement chaleureux, puis c'était sécurisant. Pour mes cousines, je les trouvais belles. J'étais le bébé dans la famille, puis je les trouvais belles. Je voulais toujours être pareil comme eux autres. Puis mon cousin Éric, lui, il était sportif, puis moi, j'étais un petit peu tomboy. Fait que, s'il vous plaît, si vous m'entendez, donnez des nouvelles. Puis on est adultes maintenant, puis on est capable de, je pense, de reprendre le cours des choses puis d'avoir une relation positive comme on l'avait à l'enfance et se rappeler nos beaux jours de l'an chez grand-maman. Bien sûr. Puis dis-nous le nom. Tu dis que ta grand-maman est décédée, mais dis-nous son nom. Ça peut les aider dans leur... Grand-maman Pauline Descosses-Castonguay. Puis à tous les jours de l'an, bien, effectivement, grand-maman recevait beaucoup de visites. Puis c'était toujours... On écoutait le bye-bye, les cousins et les cousines ensemble. C'était le fun. Puis, Là, on va te souhaiter d'écouter les retrouvailles maintenant avec tes cousins et tes cousines. On te souhaite bonne chance, ma belle. Je les écoute toujours. C'est bon. Oui, vous êtes à la recherche de... De ma fille. Mon nom est Alain Loyer. Et puis, je suis à la recherche de ma fille qui s'appelle Mélanie Cooper. Demeure elle est née le 8 octobre 1980 à l'hôpital Lions Gate. À North Vancouver. Mm-hmm. Est-ce qu'elle pourrait être encore à Vancouver? Bien, je pense qu'elle devrait être... c'est pas à Vancouver, excusez. Elle est quelque part en Colombie-Britannique. Et qu'est-ce qui fait que vous avez le goût de la retrouver maintenant? Bien, j'ai essayé par l'Armée du Salut, à un moment donné. J'ai essayé par moi-même, en faisant des téléphones sous son nom. Son nom de famille, son nom de famille de sa mère. Puis là, vous comptez sur 1 million de Colombos pour vous aider. On vous souhaite bonne chance. On aimerait ça que Mélanie se manifeste. Bonne chance à vous. Vous êtes à la recherche de votre Longo, oui. Éric Lafrenaille, sa date de naissance, c'est le 25 mars 1986 à Saint-Gabriel-de-Brandon. Éric, il est porté disparu. Depuis le 7 de novembre 2006, il suivait un cours en construction au pavillon de l'avenir à Rivière-du-Loup. Il aurait été vu récemment. S'il y en a qui ont des informations au sujet de mon gars, j'aimerais bien ça pour qu'on le retrouve pour fêter sa fête dimanche, être ensemble. Puis j'aimerais lancer un message aussi à mon gars, si tu étais à l'écoute, Éric, par exemple. Peu importe la difficulté que tu as eue, téléphone-nous à la maison. Puis où que tu sois, mon grand, on va y aller te chercher parce qu'on t'aime. Papa t'attend.
ton frère Martin, ta soeur, puis ton grand ami, Mathieu. Tu veux ajouter, Mathieu, tu veux ajouter quelque chose? Veux-tu te lever, s'il te plaît? J'aimerais ça te revoir, Eric. Je m'ennuie vraiment de toi et le fun qu'on a eu quand on allait des bars puis tout. Je veux te revoir puis c'est ta fête dans pas long. Je veux avoir du fun avec toi. Alors, il y a des parents puis il y a un ami qui veulent fêter avec toi, Eric. Son anniversaire, c'est dimanche prochain? Oui, dimanche le 25 de mars. Ça presse, ouais, mon ami Eric, puis il y a des gens qui t'espèrent. Mon depuis... Eric, on t'attend de tout cas. Peu importe ce que tu as eu, oublie. Comment je pourrais dire ça? Je suis bien bête d'émotion. On tourne la page. Oui, oui, on oublie oui. tout ça. On recommence en neuf. On t'accueille, mon grand dans mes bras. J'ai hâte depuis le début. J'ai hâte de t'accueillir. On vous le souhaite. Merci à tous les deux. Oui, vous êtes à la recherche de mon frère et ma soeur. On est à Kedgewick, au Nouveau-Brunswick. Mon frère Gabriel est né en février 59. Ma soeur Diane est née en mars 60. Et le nom de vos parents? Mon père, Lionel Bérubé, et ma mère, Dorilda Leblanc. Ils ont été adoptés dans la région de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Alors, l'idée, ça serait de réunir la famille, oui, finalement. Parce que finalement, ils ont un grand frère. Puis le grand frère, bien, il s'ennuie du petit frère et de la petite sœur. Bon, J'ai hâte de les revoir, de les connaître. Oui, ben, on le souhaite au grand frère. Bonne chance à vous. Oui, à la recherche de mon père biologique, Claude Prudhomme. Il aurait aujourd'hui 68-69 ans. En 1974, a rencontré ma mère Christiane Gagnon, elle âgée de 18 ans, lui âgé de 36 ans. Lui habitait dans les alentours du boulevard Couture à Saint-Léonard à cette époque, ma mère sur la rue Armand-Lavergne à Montréal-Nord. Ma mère travaillait dans un dominion sur le boulevard Monklin. Puis lui, mon père, ben toi, t'habitais pas, mais tu vendais des produits de bureau sur la route. Ensuite... T'avais une belle lettre. Tu nous as écrit une belle lettre. Ouais. Tu racontes ton parcours de vie qui n'a pas été facile. Tu dis, maintenant, je suis fière de ce que je suis devenue. Ouais. Puis tu parles du manque de ton papa là-dedans. Mais il m'a toujours manqué. Depuis que je suis petite, j'ai un gros, gros manque affectif côté homme. Et tu as des beaux enfants à lui présenter? Trois enfants et grand-père trois grand-papa fois. Grand-papa trois fois. Puis j'ai toujours rêvé de rencontrer, juste au moins de le voir une fois dans ma vie ou de serrer dans mes bras. Ça serait une grosse chance. On te le souhaite, ma belle. Merci beaucoup. Alors, il faut travailler pour que... Ah, on a des bonnes nouvelles. Moi, quand les papiers jaunes arrivent, j'aime ça. Alors, on a quelqu'un au téléphone. Oh, bien, pour Mélanie Lheureux. Mélanie qui cherchait son prof. Viens-t'en ici, ma belle. Viens-t'en ici. Alors, cette prof-là, je ne sais pas si elle était à l'écoute, mais tu vas pouvoir lui parler au téléphone. Marie? Bonsoir, ma belle Mélanie. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ah, oh, moi, ça va. De te voir à la télévision, là, rendue une belle femme comme tu es, c'est incroyable. Tu as fait un chemin immense, ma grande. T'es où? Je suis à Laval. Je suis tellement fière de te voir. Bien, je demeure pas loin de toi parce que moi, j'habite à Saint-Janvier. Oh, mon Dieu, bien, c'est pas si loin. Hein, on pourrait peut-être se voir à un moment donné. C'est un de beaux souvenirs. Je suis tellement contente d'avoir tes nouvelles, Marie. J'aimerais ça t'amener manger. Oh, bien, on va se voir, c'est certain. Malheureusement, je peux pas être avec toi ce soir, mais dis-toi bien une chose. Il y a un mois à peu près encore, j'essayais de communiquer avec le numéro de téléphone que j'avais de toi. OK. C'est pour dire, hein? Les astres se sont placés du bon côté. T'as été éclairé de passer par Claire Lamarche et ses Colombos pour qu'on puisse se retrouver puis se parler. Bien, ça fait longtemps que je pense à toi aussi, puis c'est pas la dernière émission, l'autre d'avant, j'ai vu quelqu'un qui recherchait son professeur. Puis c'est ça qui m'a donné un coup de pied à l'essayer, puis gars. Bravo! On est content pour toi, Mélanie! Et merci beaucoup, beaucoup, Marie, d'avoir répondu à l'appel. C'est extraordinaire, vous êtes une fille heureuse et je suis sûre que vous allez vous voir bientôt. Marie, vous laissez vos coordonnées et puis Mélanie va se dépêcher de vous appeler tout de suite après l'émission. Merci beaucoup, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Hey, bravo! Avec Illico Télénumérique, en faisant le 900, vous avez instantanément accès à vos émissions préférées du réseau TVA. C'est simple, vous choisissez l'émission que vous souhaitez revoir, et voilà, vous l'avez gratuitement pendant 24 heures. Faut que je change de job. T'as-tu une idée? Moi?
Service Canada, un accès facile aux programmes et services du gouvernement du Canada, comme notre banque d'emploi en ligne. Pour des réponses à vos questions et bien plus, appelez, cliquez ou visitez-nous. Service Canada, au service des gens. Un message du gouvernement du Canada. Maintenant. Hé, les gars, vous avez vu ça? Dans quelques heures, la ville sera détruite. Quatre frères ne feront qu'un. Et là, tu ferais quoi? TMNT, Tortue Ninja, présentement à l'affiche. Cette semaine, dans votre 7 jours, entrevue exclusive avec Marie-Hélène Thibert et courez la chance d'assister au lancement de son nouvel album. En primeur, mariage en vue pour François Massicotte. Plus, faites vos choix pour le gala Artis. Mon 7 jours, en vente maintenant. Chez Meubles Bernard Tanguay, la nature nous inspire. Nous avons cultivé pour vous la plus belle sélection de meubles, de matelas et d'électroménagers. Venez admirer les tendances naturelles du bois, du cuir, du rotin ou encore la richesse des tissus qui rappellent la nature. Laissez-nous vous créer un nouvel environnement. C'est maintenant le temps de récolter les aubaines chez Meubles Bernard Tanguay, route 137 à Saint-Dominique. Plus vrai que nature. Mirage lève le voile sur l'événement Printemps 2007, votre rêve enfin réalisable. Imaginez des planchers de bois franc pré-vernis de qualité supérieure à prix accessible. Comme tous les experts s'entendent pour dire que Mirage est la référence ultime en plancher de bois franc, profitez de l'événement Printemps du 12 au 25 mars pour vous offrir le meilleur plancher de bois franc au monde. Du 12 au 25 mars, Mirage s'offre à vous. Chez Plancher Bois Franc 2000 à Sherbrooke. Voici Cool Alert, une nouveauté exclusive aux sous-vêtements d'entraînement Pull-Ups. Avec Cool Alert, votre enfant sent que son sous-vêtement devient froid quelques secondes après l'avoir mouillé. Cool! J'ai réussi! Très bien! Pour l'aider à apprendre à rester au sec. Je suis grand maintenant! Je suis grand maintenant! Vendredi prochain, on donne tout ce qu'on a dans le ventre. Sa langue plus d'une fois dans sa bouche. Pour atteindre les plus hauts sommets, vous serez renversé par la grande finale du talent à revendre. Vendredi prochain, 20h. Cette semaine, dans votre 7 jours, entrevue exclusive avec Marie-Hélène Thibert et courez la chance d'assister au lancement de son nouvel album. En primeur, mariage en vue pour François Massicotte. Plus, faites vos choix pour le gala Artis. Mon 7 jours, en vente maintenant. Je me nomme Nicolas Prévost. Je suis à la recherche de Tania Sono. Je t'ai rencontré à Pékin en 1985. Tu étais ma gardienne et une grande amie de la famille. Je te cherche depuis plus de 15 ans. Si jamais tu entends ce message, j'aimerais bien que tu te manifestes. Tu es une pièce manquante dans ma vie. Mon nom est Sylvain Dion. Je recherche un de mes amis d'enfance, Jacques Coulombe. On restait à Saint-Bruno de Monterville sur la rue Rabassalière. Je te cherche depuis 1975 et 1978. C'est à peu près les années que tu as déménagé. Je me souviens très bien, le seul contact que j'ai eu de toi, c'est quand tu m'as écrit une lettre. À la fin de la lettre, il y avait une poignée de main en dessin, en voulant dire « je te donne une bonne poignée de main ». J'aimerais tellement reprendre les années qu'on a perdues, Jacques, puis te donner vraiment une bonne poignée de main en main propre. Fait que s'il vous plaît, si t'entends ce message, appelle-moi mon Jacques. Il y a des années à reprendre toutes les deux. Merci. Quelque chose.
chose pour Nicolas et Sylvain et toutes les personnes, bien sûr, qui cherchent encore. Si jamais il vous manque une information quand les gens font leur annonce, vous pouvez aller sur notre site Internet, vous allez voir plus de détails. Et si vous avez du mal à joindre l'équipe par téléphone parce qu'il y a trop de gens qui nous appellent pour dire qu'ils cherchent quelqu'un, faites-nous parvenir un courriel, c'est direct. Et il y a toute une équipe qui attend vos informations. Pierre, on va vous souhaiter qu'il y ait des informations qui entrent pour votre garçon et votre fille. Hein? Oui, c'est ça. Moi, je recherche mon fils André Marquis et ma fille Hélène Marquis. Moi, je les recherche dans le but de refaire ma famille, parce qu'ils sont... En tout cas, je les ai perdus de vue, ça fait déjà un petit bout de temps. Et puis, ce que je veux, dans le fond, c'est les retrouver pour partager nos expériences de vie. Je veux dire, rendu un certain âge, chacun part de son côté. Fait qu'eux autres ont fait leurs expériences de leur côté. Moi, j'ai fait les miennes de mon côté. Puis la rencontre que je veux qu'on ait tous les trois, c'est qu'on puisse se réunir pour partager nos expériences de vie. Puis après ça, bien, se faire un gros party puis s'amuser avec tout ça. On vous le souhaite. C'est votre ça. Désir le plus profond. Hein? C'est ce que je veux puis ce que je recherche le plus au monde. Parce qu'ils sont bien, bien, bien importants pour moi. Si ils vous en veulent un peu de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt ou... Dans le fond... Je lui demande de me pardonner, comme moi je lui pardonne là, dans ce que je peux peut-être lui avoir dit ou ce que je peux peut-être avoir fait ou pas fait. Là. Autant de mon bord que les autres, je lui demande de me pardonner comme moi je lui pardonne. Là. La vie est courte? C'est ça. Pour profiter de ce qui reste. Pas regarder ce qu'il y a en arrière, mais plutôt de s'en aller vers ce qui nous attend. Bonne chance à vous. Parce qu'on avance dans la vie, on recule pas. Bonne chance. Merci. Oui, vous êtes venu du Nouveau-Brunswick, oui. Moi, je suis à la recherche de mon père biologique, James Jim McDonald. Il aurait 54 ou 55 ans. Il serait né en 52-53. Il restait à l'époque en Etobicoke, en Ontario. Il a fréquenté ma mère, Michèle Bélanger-Lan, en 1969 ou 70. Dans le temps, il était dans un groupe, il chantait. C'est à peu près tout que... Aimez-vous la musique, vous? Oui. S'il vous entend ce soir, qu'est-ce que vous avez le goût de lui dire? Bien, je voudrais lui dire que je ne l'ai pas oublié. Je l'ai vu à 15 ans, puis c'était la dernière fois, puis j'aimerais le revoir. Bonne chance à vous. Merci. Il y a une fille qui vous espère. Oui? Allô? Moi, c'est André Dufresne-Bernier. Je cherche mon frère, Claude Bernier. Ma mère a accouché de moi le 1er septembre 1971 à l'hôpital Charles-Lemoine. Oui. Ma mère, c'est Pierrette Dufresne. Je porte les deux noms parce que mes parents n'étaient pas mariés à l'époque. Il y a un grand mystère qui entoure mon père dans ma famille. J'ai pas beaucoup d'informations. Puis depuis le décès de ma mère, bien, les portes sont encore plus fermées. J'ai toujours voulu savoir. J'ai toujours eu plein de questions. Mais surtout, maintenant, à l'âge que je suis rendue, c'est pas important. C'est important de savoir la vérité, mais... Je suis prête à passer à autre chose. Je veux savoir c'est quoi. Je veux le connaître. Puis, j'espère en tout cas avoir une relation avec lui. C'est mon but. Bonne chance. Merci. Oui, vous êtes à la recherche de la bonne-sœur, Michèle Clermont. Elle est née le 17 mars 1967. Elle a eu 40 ans la semaine dernière. Elle est adoptée vers l'âge à peu près 4-5 ans. Il y aurait peut-être la famille La Liberté qui l'aurait adoptée. Elle a fréquenté l'école Brassard. C'est tout ce que j'ai. Moi, je m'appelle Renée. Je suis la deuxième de la famille. Il y a une grande famille. Avez-vous des souvenirs d'elle? Oui, moi, je me rappelle, tout petite, quand elle s'assisait sur mes genoux, je la berçais, je changeais la couche, cette chose-là. Ah, oui. Alors, la grande sœur voudrait bien la revoir. Oui, parce que là, j'ai toujours le petit visage d'une petite fille, mais dans le fond, elle est rendue à 40 ans. Là. C'est plus la même chose. Et j'imagine, là. Vous dites que c'était son anniversaire il y a quelques jours. Oui. Vous avez pensé à elle beaucoup. Ah oui, ah oui. Même quand j'en parle avec mon mari, ma fille,
C'est comme ça serait toujours là, mais je parle de quelqu'un, mais dans le fond, c'est toujours la petite fille. Mais je sais que dans le fond, maintenant, c'est rendu une dame. Alors, si elle nous entend ce soir, Michel, si quelqu'un la connaît, ça peut que nous contacter. Là. Je serais très contente de te revoir, puis voir où est-ce que tu en es rendu, parce que nous aussi, on a parcouru des chemins divers, mais moi, il n'y a rien qui peut nous empêcher de nous reprendre avec les années qui nous suivent. Alors, les Colombos, il faut faire quelque chose pour cette grande sœur-là qui espère revoir sa petite sœur. On compte sur vous, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Forfait appel de Belle à Belle offre les appels locaux illimités entre n'importe quel téléphone mobile, résidentiel ou d'affaires de Belle. J'ai-tu besoin de le crier plus fort? Les enfants grandissent si vite. Sachez que vous pouvez obtenir de l'argent dès maintenant pour économiser en vue des études ou de la formation postsecondaire de votre enfant. Visitez cibletudes.ca ou appelez dès aujourd'hui. Un message du gouvernement du Canada. Voici le pouvoir de Fusion Power Phantom de Gillette. Le Fusion Power est si perfectionné que vous sentirez à peine les lames. Activez-le. Des micro-pulsations apaisantes vous aident à réduire la friction et améliorent le glissement du rasoir. Vous sentirez vraiment la différence. Fusion Power de Gillette. Les magasins CPC présentent les fleurs. Des tonnes de fleurs, les plus belles, le plus grand choix. C'est pas tout, on vous les offre à 25 % de rabais. Exceptionnellement 25 % de rabais sur toutes les fleurs en magasin. Fleurir son printemps chez CPC, c'est pas compliqué. Tout porte à croire que le printemps est toujours propice au changement. On porte plus ce printemps. On porte. On porte toujours le changement en soi. En soi. Plus plaisir à porter. Je crois en la famille et en la jeunesse. Je crois en l'amour et au bonheur. Je crois en la vie et en l'avenir. Je crois en ces valeurs et en leur enseignement qui donnent un sens à ma vie. Je crois en la Fondation Monseigneur Jean-Marie Fortier. Donnez généreusement. Conception de nos camions est avant tout le travail de designer. Excuse, tu peux-tu m'ajouter un marchepied chromé juste ici? Moi, je verrais bien le mien avec un déflecteur. Moi aussi j'en veux un déflecteur, mais fais le marchepied en premier, OK? En fait, chez Ford, la conception de nos camions passe par vous. Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 1 000 $ d'accessoires pour personnaliser votre camion à votre goût. Ce printemps, on va se créer un tout nouveau look avec une allure décontractée. Ou pourquoi pas un style plus urbain ou même un feeling plus week-end. Il me semble que j'ajouterais un petit test mode. On aime ça, ce genre de test-là, nous autres, les filles. Il manque quelque chose. Un concours. Oui, un concours avec une garde-robe printemps à gagner. Pour participer, repérez l'indice à TVA tous les soirs entre 20h et 21h et composez le numéro à l'écran. L'aubainerie, une chance que je t'ai. Les magasins CPC présentent les fleurs. Des tonnes de fleurs, les plus belles, le plus grand choix. C'est pas tout, on vous les offre à 25 % de rabais. Exceptionnellement 25 % de rabais sur toutes les fleurs en magasin. Fleurir son printemps chez CPC, c'est pas compliqué. Alors, je suis entourée de gens
qui garde un grand espoir et qui souhaite que vous donniez un coup de main pour retrouver la personne qu'il recherche, je vous redis que si vous avez du mal à nous joindre par téléphone, les courriels, c'est très efficace. Beverly, vous êtes à la recherche de... Jeannie, ma petite nièce, que ça fait des années. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 3 ans et demi. Elle est venue au monde à l'hôpital, la salle 16 à août 76. Elle aurait 30 ans, 31 ans cette année au mois d'août. Le nom de son père? Rocky le Duc. Et de et sa mère? Danielle la Douceur. Donc, Jeannie pourrait être Jeannie le Duc. Elle pourrait aussi être Jeannie la Douceur. Alors. Pourquoi vouloir la retrouver maintenant? Bien, pourquoi maintenant? J'ai peut-être des années que je veux la retrouver. Peut-être que je me sens plus prête aujourd'hui à la recevoir. Ça vous touche beaucoup, ça? Ah oui, ça touche beaucoup parce que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait 3 ans et demi. Les petits yeux verts, puis les cheveux tous frisés. Puis sa mère, Danielle, elle disait « Boogie, Jeannie, Boogie! » Puis elle dansait, puis elle était tellement cute. Moi, c'est mes derniers souvenirs d'elle. Bon, ben Jeannie, il y a ma tante Beverly qui t'espère ici. Merci. Beaucoup. On te souhaite bonne chance. Oui, à la recherche de... Ma soeur Marie-Hélène Jacob. Oh, je sais pas... Que vous n'avez pas vu depuis combien de temps? La dernière fois que je l'ai vue, c'était en 92, à Mirabel. Je m'en allais en voyage au Mexique, puis elle était venue nous rejoindre, nous dire bon voyage, puis c'est ça, c'est la dernière... Pas de nouvelles après? Pas de nouvelles après. Puis, est-ce qu'il y a eu une chicane? Non, c'est parce qu'elle a été placée en famille d'accueil, puis je la comprends parce que c'est un cheminement que moi j'ai fait, puis c'est possible. C'est pas facile. Hein? Alors, si elle vous entend ce soir, qu'est-ce que vous avez le goût de lui dire pour la convaincre de venir vous rejoindre? Oh mon Dieu, c'est spécial. Mon idée, c'est de la voir, de la serrer dans mes bras, puis de lui dire que je l'aime, puis que ça me manque beaucoup, puis c'est un maillon qui manque dans notre famille, puis on forme une grosse famille. On était 16 enfants, puis je vais lui présenter aussi 4 petites flammes, 3 garçons, puis une fille. Puis elle les connaît pas encore, fait que je... Il y a toute une famille qui l'espère. Oui. Bonne chance à vous. Oui, à la recherche de... Moi, je recherche mon parrain Gilles Daou. Il serait né en 55 ou 56. Son frère aîné s'appelle Robert Daou, qui est né le 2 septembre 52. Leurs parents s'appellent Fabiola Consigny et Elfège Daou. Il y a 2 sœurs, Liliane et Lisette. Ils habitaient au début des années 70 sur la rue Chambly. J'ai également 2 demi-frères qui s'appellent Alexandre et Sébastien, qui sont nés dans les alentours de 77-79. Et ils habitaient dans la région de Gatineau il y a 10 ans. Mes demi-frères aussi, je serais contente aussi de les voir. Alors, on cherche un parrain et 2 demi-frères. Oui. Bonne chance. C'est important pour moi parce que depuis que je suis jeune, j'ai toujours ressenti un vide à l'intérieur. Puis pour moi, c'est important la famille. Puis j'ai un fils de 6 ans à qui j'aimerais le représenter. Présenter cette Ça serait vraiment important pour moi. On Ça te le souhaite. Beaucoup. On te le souhaite. Oui, à la recherche de ton père. Mon père biologique, oui. Mon nom est Mélissa Malo. Mon père s'appelle Gilles Malo. Il a été marié avec ma mère, qui s'appelait Thérèse Terrien. L'été 1979, elle est enceinte de moi. Le dernier souvenir que j'ai de mon père, c'est qu'il me raccompagnait du collège. Il m'avait inscrite dans un collège pour filles. Il me raccompagnait pour mon week-end sur deux chez ma mère, puis je ne l'ai plus jamais revu. Puis il était en moto, tu m'as dit. Bien, pas cette fois-là, non, mais j'ai des souvenirs qu'il venait me chercher des fois, puis on faisait de la moto ensemble. Je sais que j'ai un demi-frère qui s'appelle Dave, qui devrait avoir 19-20 ans aujourd'hui. J'ai une demi-sœur Jessie que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 3 ans chez ma grand-mère paternelle. Sa femme s'appelle Nicole, est encore avec, puis je suis au courant qu'on parle encore de moi dans cette famille-là parce que ma demi-sœur me l'a dit, puis elle m'a dit qu'on ne m'a pas oublié puis qu'on aimerait ça me revoir, mais que mon père est un peu réticent. Je tiens à spécifier à mon père que je n'ai pas beaucoup de contact avec ma famille maternelle depuis plusieurs années, fait qu'il n'a pas à s'inquiéter, puis que... J'ai fait un bon bout de chemin, puis que j'ai hâte de le voir. Puis on te souhaite de pouvoir le serrer dans tes bras. Oui, merci. As-tu des enfants à lui présenter? Non. Non, tu es trop encore. Jeune, hein? Ben, 28 ans. Ah, quand même! Oui, à la recherche de... De ma nièce, Evelyne. Elle est née le 3 avril 81, et je l'ai élevée, moi, de 13 ans à 20 ans. Son père, Raoul Paradis, est décédé en... 81. Alors, c'était comme votre fille? C'est ma fille.
Et puis, je l'attends, je m'ennuie. Sa maman s'appelait Emma Wabananik. Elle vient du lac Simon. Et puis, elle a beaucoup d'amis à Val-d'Or. Si les petits amis peuvent reconnaître ma tante, bien, téléphoner. Mais oui. Puis, est-ce que c'est votre fille qui est c'est ici? C'est ma première petite fille. Oui. Alors, est-ce que tu l'as connue, toi? C'était la gardienne de Sarah. Bon, quel souvenir t'as d'Evelyne, Sarah? Bien, c'était cool. Là. C'était comme ma grande sœur pour moi. Alors, c'est précieux pour toi aussi. Oui. Ben, on vous le souhaite à tous les deux. Ah oui, puis ce que je dis, Evelyne, n'importe où tu es, peu importe ce que tu fais, reviens, je t'attends. Bonne chance à vous deux. Merci. Toi, mon ami, tu recherches une famille qui t'a accueilli, les Maillé. Oui, je recherche Mme Nicole Maillé, M. Pierre Maillé. On habitait à Laval-Ouest, sur la 21e avenue. Ma soeur Judith était avec moi. Et puis, c'est ça, moi, j'aimerais ça les revoir. Et puis, ils doivent être précieux, parce que tu dis, s'il y a des grands événements pour moi qui s'en viennent, je voudrais qu'ils soient présents. Oui, j'aurais ma copine à leur présenter, puis c'est ça, j'aurais des projets éventuellement. J'aimerais ça qu'ils soient là pour que je puisse les réaliser. J'ai besoin d'eux autres, c'est un gros morceau pour moi. Tu m'as dit, ça a été une vraie famille. Oui. Alors, on voyait tout à l'heure quelqu'un qui retrouvait une sœur d'accueil. Oui. Ça devait, ça toi... m'a touché beaucoup, oui. Hein? Bon, on te souhaite bonne chance. Merci. Les Maillé, si vous nous entendez, là, il y a quelqu'un qui vous espère ici. Oui, vous êtes à la recherche de... Ma sœur, Rosemary Benoit, est née le 1er août 1948 à Brownsburg. Son père, c'était Arthur Benoit. Sa mère, c'était Rosa Seriti Benoit. Et puis, elle a un fils qui s'appelle Emmanuel Lutney. Puis, j'aimerais bien ça la retrouver. Je m'ennuie beaucoup d'elle. Ça fait plusieurs années que je la vois pas. Et puis, elle me manque beaucoup. Nos Colombos vont travailler fort. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Claire, bonsoir. Je suis à la recherche de mon fils Martin Rébi-Marcotte, né le 15 de mars. Je vais arrêter tout de suite. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de retrouvailles, là. Hein? C'est tranquille depuis un bout de temps, là. Je ne ferai pas languir. Venez-vous-en avec moi. Venez-vous-en. Venez-vous-en. On va y aller tranquillement. Venez-vous-en. On en veut d'autres, puis on vous en souhaite une retrouvaille comme ça, hein? J'espère. Oui, oui. Vous recherchez... Je recherche mon père biologique. Il s'appelle Roger Bessette. Il est né le 8 janvier 1933. Il a 73 ans. Il est venu au monde à Sainte-Bibiane de Richemont. Et j'ai recherché mon frère René Bessette. Il est né le 11 septembre 1965. Il est né à Saint-Hyacinthe. Puis si je veux les retrouver aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon frère. Puis moi, je recherche mon père aussi parce que c'est lui qui m'a montré les premières notes de musique. Puis aujourd'hui, si je joue de la musique, c'est à cause de mon père. Ah oui? Oui, parce que c'est lui qui m'a montré les premières notes. Fait que j'admire ça, puis j'espère que si je le retrouve là, cette année... Vous voudriez faire de la musique avec lui? On va faire de la musique avec les deux. Bien, on vous le souhaite. Puis il y a aussi mon frère aussi, j'ai pensé, il avait 3-4 mois, il tapait sur le piano. Hey, 3-4 mois, fait qu'on peut jouer à trois à musique. C'est... Bon, ben pourquoi pas? On vous le souhaite. Merci. Bonne chance, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Bonsoir. Voyez ce soir dans notre sondage exclusif sur la région de Québec si l'ADQ maintient son avance et un vétérinaire sera avec nous pour parler de cet inquiétant rappel de nourriture pour animaux. Oh non, je devrais pas, franchement. Mais il y a des petits délices chocolatés à l'intérieur. Mmh. Ben là, ça a l'air trop cochon pour moi, ça. Ben voyons, des céréales spécial cas. 120 calories. C'est une bonne façon de savourer le goût du chocolat. Tu dis que c'est bon et cochon. Délices chocolatés. C'est vrai que c'est tentant.
OK, je vais me payer après. Voici les nouvelles céréales Spécial K Délices chocolatées de Kellogg. 120 calories par bol. Délicieusement chocolatées, tout simplement. S'il vous plaît, les forfaits appels de Belle à Belle offrent les appels locaux illimités entre n'importe quel téléphone mobile, résidentiel ou d'affaires de Belle. J'ai-tu besoin de le crier plus fort? C'est la folie pour le nouveau spectacle des Denis Drolet. Le monde a payé 5 000 du billet pour venir noir cette soirée. On rit à en avoir mal au ventre. Je voudrais être pareil, pareil comme il corbeille. Le 13 avril, au Centre culturel. En collaboration avec Hydro-Québec et Québécois, la SACEF vous propose au Studio Théâtre de la Place des Arts la série Découverte, avec des artistes de la chanson actuelle tels que André-Anne Alain, Philippe B., Manuel Gasse et Antoine Graton, Linda Racine, Steve Marin, Marie-Jo Bonheur, Jonathan Savard, Tristan Malavoie, Jean-François Morand, Christian Kidd-Gauguin des Maritimes, Chuck Labelle de l'Ontario, La Raquette à claquettes des Plaines de l'Ouest et plusieurs autres. Jusqu'en avril, partez avec nous à la découverte des nouveaux créateurs au Week-end de la chanson Québécois. Donne-moi ta bouche. La belle saison des bons festins arrive en premier chez les aliments M&M. Profitez-en pour vous régaler. Et pour courir la chance de gagner une Pontiac G5 SE édition Remix dans l'un des M&M participants. Donne-moi la bouche, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'embrasser. Journée commence avec la tribune. Mirage lève le voile sur l'événement Printemps 2007, votre rêve enfin réalisable. Imaginez des planchers de bois franc pré-vernis de qualité supérieure à prix accessible. Comme tous les experts s'entendent pour dire que Mirage est la référence ultime en planchers de bois franc, profitez de l'événement Printemps du 12 au 25 mars pour vous offrir le meilleur plancher de bois franc au monde. Du 12 au 25 mars, Mirage s'offre à vous. Chez Plancher Bois Franc 2000, à Sherbrooke. Ce lundi... Je pense que grâce à ta mère, je m'en vais à Paris. Je vois Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, les bateaux mouches, la Tour Eiffel... Le petit monde de l'oracle là-dessus. Oui, puis je vous le dis qu'on va avoir du fun! Dernier épisode, ce lundi, 19h30. Via Rail est fière de s'associer à l'équipe des Retrouvailles pour permettre à certains des retrouvés de ce soir de se rencontrer en personne pour la première fois. Tout le monde est content ici, ça a l'air que ça marche un peu mieux au téléphone. On commence à recevoir des papiers jaunes. J'en ai un, Josée Castonguay, je vais te demander de venir ici, ma belle Josée. Viens ici. Alors, au téléphone, tu vas avoir un de tes cousins. Il y a Serge qui est au téléphone. Salut, Serge. Salut, Josée. Comment ça va? Oh, ça va bien. Je veux que tu me prennes dans tes bras. Là, je suis un petit peu loin. Là. Serge, je veux que tu t'en viennes. Ah, ben je... Oh, ma femme vient d'élever. Regardons ça, peut-être. On regarde ça, là. Peut-être, je vais... Serge, s'il te plaît! J'ai été coordonnée de toute façon, fait que c'est quelque chose que je te rappellerai, mais je ne suis pas sûr d'être capable de descendre à fond. Oh, ben, vous nous appelez de quel endroit, Serge? C'est Mirabel. Écoute, je je vais t'attendre dehors à minuit. S'il faut, s'ils nous mettent dehors, c'est pas grave. Je veux que tu viennes me prendre dans tes bras. S'il te plaît. T'es mon grand cousin, là. C'est effrayant comment t'es important pour moi. Tu le sais, à part ça, je te l'ai déjà dit. Serge, on vous espère. Et on espère vous voir en onde. Et de toute façon, sinon, on prend un verre de vin après. Pas de problème. Bon, ben c'est bon. Alors, on vous attend? On va essayer de travailler fort là-dessus. OK, mais de toute façon, vous laissez vos coordonnées. Oui, Josée? Les cousines, est-ce que t'as des nouvelles? Éric, t'as-tu des nouvelles? Ouais, Éric, oui, je vois. Ah, mon cousin? Les deux pompiers à Montréal, là, fait que, ouais. Il est là. Puis, ouais, ça, tu peux dire que ma mère a les numéros de tout le monde, là. Alors, ça s'annonce bien pour Josée. Ouais, merci beaucoup. Vous laissez vos coordonnées, puis on vous espère. Ouais. D'accord. Bravo! C'est bon, on est content.
Ma belle Stéphanie. Oh, Stéphanie, viens-t'en. Viens-t'en. Alors, écoute, au téléphone, ta bonne fille, Marie Larose. Oui. Allô, Marie? Stéphanie. Oh, comment ça va? Je suis tellement contente de t'entendre. Moi aussi, je t'ai cherché. Tu vrai? Oui. Eh, Seigneur, j'habite à Sherbrooke maintenant. C'est peut-être pour ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ben, j'ai quitté chez toi. Après ça, je suis allée en chambre. Et puis après ça, je suis allée vivre chez mon père. OK. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis allée. Oui. Tout va bien. Écoute, ils ont mes coordonnées. J'étais à l'hôpital. Oui. Puis, oui, ils vont te donner mes coordonnées. T'as juste à m'appeler. OK. OK. On espère, Marie, que c'est pas trop grave. Ah, oh, ben, ça va. Ça va mieux. C'est une pneumonie, alors ça va. OK. Les enfants, c'est David qui t'a reconnu, Stéphanie. C'est vrai? C'est lui qui m'a appelé. Je suis tellement contente. Il a vu sa photo. Il dit, maman, il dit, je me vois à TV. Oh! Avec Stéphanie. Fait que tous les enfants vont bien, ils sont tous avec moi. Ils oh, vont... tu pourrais. Oui, nous autres, on habite Hawkesbury, une okay. maison de ferme. OK. Allez, on a les chevaux, on a tout ce qu'on rêvait, là. Oh, aïe, je suis contente. Super. Alors, Stéphanie va partager ça avec vous. Elle va aller vous voir. Marie, certains. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous appeler de l'hôpital. Okay. On vous souhaite un prompt rétablissement. Et puis, on prend vos coordonnées. Puis, Marie va vous rappeler. Ouais, Stéphanie va vous rappeler. Ça oui, sera pas là. Pas oui, n'oublie pas de m'appeler, toi. Inquiète-toi pas. Salut. Merci. Hey, merci, les Colombos. Merci beaucoup. Christiane Lompré. Un message pour Christiane Lompré. Christiane, alors, on a un demi-frère qui est au... Écoute, qui est ici. Qui est ici. Un demi-frère recherché par sa sœur et son frère. Vous travaillez bien, vous travaillez fort. Et j'ai des bonnes nouvelles pour Cathy Beauchemin d'Avio. Où es-tu, Cathy? Oui, viens-t'en ici, ma belle Cathy. À la recherche de ton papa, Normand. Écoute, je ne sais pas s'il a entendu ton message. Il est ici pour toi ce soir. On voit... Écoute, moi, là, une petite jeune fille qui retrouve son père comme ça, après toutes ces années d'espoir, c'est extraordinaire. Alors, c'est grâce à vous, les Colombos, qu'on réussit ça. Il y a encore, je sais pas, on fera le compte... Oups! Est-ce qu'on aura le temps de la faire? Est-ce qu'on a le temps? Oh, on n'a pas le temps, mais encore. Il y a encore d'autres trouvailles à faire. Grâce à vous, les Colombos, on va s'arrêter pour le bulletin de nouvelles, et puis on se retrouve...